Je tiens à saluer tous mes collègues, le conseil municipal, remercier la presse, le Progrès, qui est aujourd'hui pour l'instant tout seul. Je pense que la Voix de l'Ain va pas tarder d'arriver. Remercier de leur présence et de suivre nos travaux en conseil municipal. Les personnes également qui nous suivent sur Facebook. Et il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public? Oui, voilà, qui va nous suivre également pour ce conseil. Donc le quorum est atteint. J'annonce l'ouverture de la séance. La lecture des pouvoirs avec donc Angélica D'Acosta qui a donné pouvoir à Marilyn Deschamps. Olivier Gondard qui a donné pouvoir à Jean-Michel Berthet. Jean-Yves Edon qui est au conseil d'administration du collège et qui viendra nous rejoindre et qui donne pouvoir en attendant à Monsieur Richard Bénistan. Voilà. On va nommer un secrétaire de séance. Manon, tu es toujours OK? Manon Turchi, secrétaire de séance. Le PV n'a pas pu être validé, rédigé en tout cas, parce qu'il y avait les élections, donc vous pourrez le valider au prochain conseil. On s'en excuse, mais c'est vrai qu'avec l'organisation des deux scrutins, pas très simple de tout mettre en œuvre, donc ça sera... Procès verbal de la dernière, de la précédente séance sera validé à la rentrée. La décision, les décisions du maire qu'on va pouvoir projeter avec une décision le 27 mai sur des travaux de rénovation du chauffage électrique au palais épiscopal. 27 mai, le tarif de la billetterie des spectacles de l'intégrale pour la saison 2021-2022. Le 21 juin, marché d'acquisition de tracteurs, de voiries et d'épareuses. Le 28 juin, marché pour la restauration scolaire des écoles primaires et maternelles publiques que vous avez sur les yeux. Et ces décisions du maire sont évidemment affichées sur les panneaux obligatoires. Des remarques? Pas de remarques. On peut avancer. Est-ce qu'il y aura des questions en conseil, enfin à la fin du conseil, j'imagine, Monsieur Salagnon. Est-ce que vous avez un micro? On va vous en donner un. Voilà, très bien. Voilà, merci. Oui, je voudrais intervenir sur les cipes et les colonnes romaines dans le parc de l'évêché. Très bien, une question sur la colonne romaine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'aurais une question sur la création du carré musulman au cimetière de Belley. C'est noté. Est-ce qu'il y aura d'autres questions? Non. Pas d'autres questions. J'annonce dès maintenant le prochain conseil municipal, avant qu'on oublie en fin de séance, de vous l'annoncer. Donc ça sera le lundi 27 septembre à 18h30, toujours au même endroit. Donc je rappelle, prochain conseil municipal le lundi 27 septembre à 18h30 à la salle des fêtes. Quelques infos du maire pour commencer. Je vais être très rapide avant d'attaquer les différentes délibérations. Tout d'abord, remercier chaleureusement notre directeur général des services avec toute son équipe et notamment Catherine Satt pour l'organisation des élections. Remercier les élus. Hein, je pense que tous ici, nous avons participé à l'organisation de ces élections où il y avait deux scrutins. Ça faisait longtemps que ça ne s'était pas vu. Remercier les agents et évidemment les bénévoles qui ont passé du temps avec nous sur les deux dimanches. Donc ça s'est bien passé en termes d'organisation et je voulais en tout cas remercier tous ceux à nouveau, qui s'était investi durant ces deux scrutins, c'est essentiel pour nous. Saluer aussi les candidats qui se sont présentés et féliciter chaleureusement, évidemment, les élus qui sont désormais installés dans ces deux grandes collectivités que sont la région Auvergne-Rhône-Alpes et le département. Voilà pour la partie élection. Je vais évoquer aussi les incivilités. Autre sujet, incivilité qu'on constate en cœur de ville. Moi, je tenais à lancer un appel.
un appel à certains jeunes, un appel à la responsabilité pour qu'on puisse retrouver du calme en cœur de ville. On sait qu'il y a des problèmes sous les Halles, on le sait qu'il y a des problèmes rue des Cordeliers, rue des Bains, quelquefois rue de la République. J'appelle vraiment ces quelques jeunes, parce qu'ils ne sont pas nombreux, à la responsabilité, à retrouver le bon sens, puisque voilà, on a beaucoup de riverains qui se plaignent, c'est récurrent. On va agir, Jean-Michel va l'évoquer, mais voilà, avant d'aller tout de suite sur l'aspect sécuritaire, c'est quand même d'arriver à voilà, qu'ils retrouvent le bon chemin. On se retrouve avec, alors ça va être des incivilités, ça va être on vient casser du mobilier urbain, on vient casser d'autres choses, on vient surtout salir l'espace public, ça me surprend un peu plus, avec des détritus de partout. Julien Roux, on a plus cassé notre agent qui s'occupe de nettoyer l'espace public. Donc vraiment, j'appelle ces jeunes à voilà, s'amuser tranquillement et puis à 4h du matin, ne pas hurler en plein cœur de ville, parce qu'aujourd'hui, dans l'hypercentre, ça devient très difficile. Donc voilà, j'espère qu'ils entendront mon appel, mon message, avant qu'on, malheureusement, on muscle le jeu, et c'est pas tout à fait ce qu'on a envie de faire, jouer au chat à la souris. Mais voilà, retrouver en tout cas de l'apaisement à une certaine heure, voilà, quand on commence à être à 3h du matin, où on a tout le monde dehors et tout le monde est réveillé par ce petit groupe, c'est un peu dommage. Centre de vaccination, vous dire qu'il est toujours bien ouvert, accessible. On recommande évidemment vivement la vaccination. Il y a 500 patients par jour actuellement, et notamment pour la deuxième dose. Pour la première vaccination, une baisse en tout cas, et l'idée c'est de pouvoir voilà, relancer la première vaccination. C'est 57 345 injections qui a eu lieu sur le centre de vaccination de Belette Bugey Sud. Voilà, 22 138 avec une deuxième injection et 150 professionnels de santé mobilisés. Donc c'est vraiment voilà, toute une organisation, c'est ouvert, c'est accessible. Voilà, moi j'invite vraiment et je recommande à la vaccination. Ils vous attendent et ils vont devoir, les consignes du gouvernement, c'est d'aller un peu plus, d'aller plus en proximité sur le terrain, donc d'aller vers les autres pour justement inciter à la vaccination. Et il y aura une action toute particulière sur le quartier politique de la ville aussi et d'autres quartiers de la ville, voire d'autres professionnels. Pour les inciter à la vaccination. Donc voilà ce que je voulais vous dire, et on peut encore remercier voilà, tous ces professionnels de santé, toute cette logistique. Et le but, c'est quand même d'éviter de se retrouver avec une quatrième vague sur le mois de septembre. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Autre sujet, la friche Percevaux, rue Saint-Jean. Pour vous dire, donc, on est bien propriétaire, ça vous le savez, propriétaire via l'établissement public foncier. Et donc on va lancer un appel à projet et solliciter un architecte pour nous aider dans cette opération. Marie-Hélène évoquera le sujet tout à l'heure. Donc c'est une friche emblématique de la ville. Et voilà, dès la rentrée, on aura sur l'automne le lancement de cet appel à projet pour identifier rapidement, lui redonner en tout cas une nouvelle vie. Voilà, ça fait partie de notre engagement fort de la revitalisation de notre cœur de ville. Le marché du samedi matin, donc on a fait le test rue Saint-Jean. Je voulais juste vous dire que c'est même très bien apprécié, ça se passe plutôt bien. Donc pour assurer une continuité piétonne sur toute toute la grande rue. Donc pour l'instant, Marie-Hélène pourra évoquer le sujet tout à l'heure. Mais en tout cas, on a des bons retours et ça se passe plutôt très bien. Fibre optique, le 20 juillet, il y aura l'ouverture de 9 armoires, donc 9 NRO, nœuds de raccordement optique. Et donc il y aura une moitié de couverture pour Belay sur le mois de juillet. J'invite vraiment, je le redis, je l'ai redit à plusieurs reprises, tous les Belaisans à s'inscrire pour tester leur éligibilité sur réseau-lien, donc LIAIN.fr. Donc www.reseau-lien.fr, vous vous inscrivez. Évidemment, pour certains secteurs, ils vont vous dire que vous n'êtes pas éligible. Ce n'est pas grave. Le jour où ça passe éligible, c'est une histoire de semaines ou de mois, vous serez informé directement
par le SIEA que vous êtes passé éligible. Donc il faut vraiment, et je le dis au conseil municipal, vous en parlez autour de vous, il faut que les gens s'inscrivent impérativement sur ce test d'éligibilité du SIEA. Donc 20 juillet, ouverture de 9 armoires, et ensuite sur l'automne, le reste, et on aura donc sur fin d'année la couverture fibre sur l'ensemble de la ville, et ça c'est une grande nouvelle. Petit point également pour vous dire qu'on travaille notre stratégie patrimoniale avec évidemment les 40 bâtiments de la ville de Belley qu'on a à gérer. Il y a des grosses réflexions à mener et notamment donc le départ de la crèche qui va sur Bulle d'Éveil et je passe évidemment d'autres quartiers. Donc pour vous dire que les services managés par le directeur général des services, Enzo Bondetti, travaillent avec nous évidemment sur... voilà l'avenir de ce patrimoine, de cet ennement. Donc c'est un enjeu important, mais je voulais en tout cas le dire au conseil municipal et aussi auprès des Belaisans, qui ne s'inquiètent pas. Tous ces bâtiments sont en cours d'étude, on a fait venir les domaines et on se pose les bonnes questions pour leur avenir et aussi pour pouvoir gérer au mieux l'ensemble de ce patrimoine. Ce matin, autre sujet, la police pluricommunale. Donc on était avec les maires des communes voisines. Quand je parle communes voisines, Brins, Virignien, Chazébon, Magnieux, où on porte avec eux, et Jean-Michel, qui était avec moi également, Charles Guillon aussi, vice-président en charge de la sécurité, ce projet d'une police pluricommunale. Donc ils sont extrêmement intéressés par... je dirais la proposition qu'on leur a faite. Donc les conventions sont en cours d'étude, les budgets, j'en passe, c'est des meilleurs, mais en tout cas, voilà, je pense que sur l'automne, on pourra, j'espère, vous faire des annonces intéressantes sur ce projet de police pluricommunale pour étendre l'action de l'APM au-delà de Belley et nous permettre d'avoir plus de moyens et aussi, surtout, donner l'accès à ce service à des maires qui sont en demande d'une police. Voilà, donc ça, c'était un travail de ce matin. Je remercie en tout cas les équipes qui bossent avec moi là-dessus. Nous avons lancé la saison de l'intégrale dernièrement. J'invite aussi les Belaisans et vous tous à découvrir le nouveau site internet l'intégrale.fr où tous les spectacles sont notés. Il faut soutenir nos artistes. Hein, il faut que les gens retournent à la salle de spectacle qui était centre de vaccination... Mais aujourd'hui, ça a bien changé et vraiment, n'hésitez pas à découvrir ce nouveau site internet et le programme de la saison 2021-2022 pour soutenir nos artistes qui en ont grandement besoin. En plus, avec une nouvelle tarification, mais Annie Cluzel en parlera. Petit point d'avancement sur les chantiers, travaux de la halle Gonnet. Jean-Michel Berthet en parlera tout à l'heure. Les travaux ont été décalés. Donc à avril 2022, pour des raisons très simples d'approvisionnement, toutes les entreprises de France souffrent aujourd'hui de problèmes d'approvisionnement et on a souhaité décaler pour ne pas venir perturber trop l'activité des associations sportives qui étaient vraiment très inquiètes. C'est toujours pareil, il faut arriver à trouver le compromis travaux et puis activités sportives. Donc on ne va pas leur gâcher la rentrée de septembre. Ils sont en attente de pouvoir enfin avoir une activité sportive, accueillir leurs adhérents. Donc c'était plus sage de décaler à avril 2022 et ça se rentrera mieux dans le planning et surtout on aura l'assurance d'avoir les approvisionnements nécessaires. Donc Jean-Michel en parlera tout à l'heure. L'installation du nouveau chauffage au palais épiscopal est en cours. Donc il y a le cadrage de chantier en juillet et un démarrage de travaux en septembre. Et je voulais juste préciser qu'en régie, on sait faire plein de choses aussi au niveau de la ville. Donc la régie, c'est la ville de Belley qui fait les travaux. Et actuellement, il y a des travaux dans les écoles. Donc pour la salle de motricité des Cordeliers qui est en cours de travaux. L'ancien gymnase des Cordeliers qui va être transformé en cantine, c'est aussi la ville de Belley qui fait les travaux. Et la peinture extérieure sur l'école des Charmilles, voilà, qui est en cours de réalisation. Et je remercie les services, puisqu'on n'appelle pas non plus toujours que l'extérieur, et on sait faire aussi des travaux en régie. Voilà pour les principales informations. Je voulais juste terminer qu'en septembre,
Nous allons organiser une rencontre agents élus, parce que malheureusement, avec le Covid, on n'avait pas eu l'occasion de le faire. Donc, sur fin septembre, vous aurez une invitation. Donc, l'ensemble des élus, hein, majorité, minorité, pour venir découvrir les différents services, échanger avec les agents et qu'on ait enfin une véritable rencontre. Et ça sera l'occasion de donner nos orientations et nos différentes attentes. Voilà, visite du pôle petite enfance. J'ai convoqué aussi tout le conseil municipal pour que vous puissiez visiter le 8 juillet à 18h le pôle petite enfance, Bulle d'éveil. Comme ça, tout le monde l'aura visité. Je sais que Monsieur Salagnon, il l'a visité il a eu la primeur de le visiter. Moi, je ne l'avais pas eu, mais comme ça, tout le monde l'aura le 8 juillet à 18h pour ceux qui sont disponibles, mais vous avez reçu l'information. Voilà, on n'oubliera pas, Catherine, donc à la fin du conseil, l'avis sur le réglementaire de la formation, c'est bien ça. Parfait, on va pouvoir donc commencer par la première délibération du conseil municipal. Alors, c'est la désignation des représentants de la commune à la CLET. La CLET, qu'est-ce que c'est? C'est la commission locale d'évaluation des charges transférées. Commission très importante, M. Cheval la connaît bien, pourra en parler s'il le souhaite. Et c'est là où il faudra eh bien, venir étudier les dossiers, comprendre ce qui est transféré à l'intercommunalité, donc ces fameuses attributions de compensation. Voilà, votre présence est incontournable pour venir eh bien, bien maîtriser ce qui est transmis, enfin, en tout cas ce qu'on récupère à l'intercommunalité. Alors, pour la CLET, nous avons proposé, donc il y a 12 élus de la majorité, 4 de la minorité. Pour la majorité, c'est généralement les conseillers communautaires. Donc là, j'ai la Huerta Dimitri, Boutémi Anaïs, Bénistan Richard, Sylvie Schreiber, Edon Jean-Yves, Annie Cluzel, Daniel Poncy, Marlène Deschamps, Berthet Jean-Michel, Annie Delpont, Pierre Roux et Angélica d'Acosta. Pour la minorité, Philippe. Jacques Chevat, Karim Smihi, Charlotte de Menton, Philippe Rodriguez. J'ai été trop vite? Je suis bon. Monsieur Cheva, Monsieur Smihi, Madame de Menton et Monsieur Rodriguez. Eh bien, c'est très bien. Voilà, pas de remarques. Monsieur Cheva, vous vouliez dire quelque chose sur la clette? Vous qui connaissez bien le sujet, ça vous rappelle le bon temps. Bon, j'espère que vous défendrez bien les Belaisans. Mettez le micro. Non, mais ça va. Allumez-le, puis ça arrive dans un Je disais petit moment. simplement qu'à l'époque, il fallait l'unanimité. Et c'était pas simple. C'est pas Même simple. une abstention, ça foutait tout en l'air. Ça, je m'en souviens bien, hein. Et il y en avait quelques-uns Comme l'Europe, quoi. qu'on connaît bien dans, parmi nos collègues qui souvent voulaient pas ou ne venaient pas. Donc, je rappelle plus dans le côté juridique ce qu'est une CLET. Elle est chargée de procéder à l'évaluation des charges, phase indispensable pour assurer la neutralité financière de ces transferts, aussi bien pour le budget communal que pour le budget communautaire. Elle sert de base à la détermination du volet charges, de l'attribution de compensation, ces fameuses AC qu'on évoque souvent, qui sera ensuite ajustée à chaque nouveau transfert de compétences. Pour ce faire, elle devra apprécier préalablement l'étendue des compétences transférées et analyser ensuite, pour chaque commune, l'ensemble des dépenses et des recettes y afférentes selon une méthodologie fixée par la loi. Cette étude doit lui permettre au final d'établir le coût net des charges transférées. On ne reviendra pas sur le sujet de centre nautique, mais évidemment, quand on évoque la piscine, eh bien, dans la clette, hein, c'est quelque chose qui parle. C'est tout bon. D'où Y a l'allusion, un vote, hein, Catherine, sur celui-là. Pardon? Allez-y. d'où l'allusion à l'unanimité des décisions. J'ai bien compris. Ouais. Bon, très bien. Qui est contre?
qui s'abstient, tout le monde est OK avec ces désignations. Ben, bon travail à tous durant cette clète. Et je laisse la parole à Sylvie Schreiber qui va parler de la bourse à projet jeune, un point important de notre programme. Bonsoir. Donc, sur cette bourse à projet jeune, en fait, il s'agit d'une réactualisation. Cette bourse à projet existe depuis de nombreuses années. Et là, il s'agit de remettre un cadre. Donc, la municipalité souhaite encourager les initiatives des jeunes et les inciter à s'investir tout en étant acteurs de leurs projets à vocation culturelle, environnementale, solidaire et citoyenne. Donc, les nouveautés sur cette bourse à projet, c'est déjà la ligne budgétaire. On passe sur une ligne budgétaire à 3 000 euros. On la double. Trois projets seront lauréats, dont deux pourront être accompagnés par le centre social. Il y aura un jury par année. Le jury sera composé de trois jeunes issus des trois lycées, lycée professionnel, lycée général et lycée Lamartine, d'élus et aussi de professionnels du centre social. Ce qui est nouveau aussi, c'est ce qui sera donné, le montant qui sera donné aux jeunes, c'est-à-dire 70% seront versés à la validation du projet par le jury, ce qui est quand même un geste fort de notre part, et 30% une fois le projet réalisé. Ce qui sera demandé aussi aux jeunes, ce sera de s'investir aussi de façon bénévole dans des associations belaisanes pour participer aussi un petit peu de façon bénévole sur des activités qui pourront se rapprocher aussi de leur projet. Voilà en gros sur ces projets. Je ne sais pas si vous avez lu le règlement. Est-ce que vous avez des questions ? Madame de Menton, oui. Alors le principe d'une bourse à projet est cohérent avec le programme que nous portons. Mais les modalités qui sont présentes dans le règlement sont extrêmement contraignantes et donc ne nous conviennent pas. Pourquoi limiter à trois projets s'il y a une enveloppe budgétaire de 3 000 euros, alors que 1 000 euros est déjà une enveloppe importante pour des projets menés par des jeunes à partir de 14 ans ? Pourquoi exiger des heures de bénévolat alors que les projets sont déjà des projets culturels, solidaires ou de citoyenneté ? Pourquoi limiter l'accompagnement du centre social à seulement deux projets si on en soutient ensuite trois, alors qu'un accompagnement peut se penser avec des séances collectives ? Et du coup, on se demande pourquoi faire d'un dispositif intéressant qui peut vraiment, comme vous le dites, inciter à s'investir, une sorte de parcours de combattant. Parce que, pardon, j'ai oublié aussi qu'il y a un cofinancement de 70% qui est demandé. Donc c'est pour cela que nous voterons contre. Un cofinancement de 70%, non, c'est pas le cofinancement en fait. C'est ce qui est donné par la ville de Belley, c'est 70% d'emblée. On sait que les jeunes n'ont pas d'argent et que leurs projets ne peuvent exister que s'ils n'ont pas une mise de fonds dès le départ. C'est 70% de la subvention versée avant le déroulement du projet. Avant le déroulement, c'est quand même un geste fort. Il n'y a pas de cofinancement. Le cofinancement, c'est pour aider. En fait, c'est l'aide qui peut être apportée par le centre social, justement. Enfin, faut savoir que c'est quand même pour aller impulser et puis pour aller chercher d'autres financements. En fait, il y a des financements CAF, il y a des financements du département, de la région. Enfin, voilà, il y a des tas des DCS. Voilà, donc c'est aussi trois projets simplement, c'est pour se donner du temps avec les jeunes. En fait, on sait bien que les jeunes, ce qui est difficile pour eux, c'est de construire des projets. Et si on ne les accompagne pas, voilà, donc en fait, trois pour ça, en fait. Et puis on verra bien, si on a des dizaines de demandes, on verra comment on les traitera. Et il est marqué que le règlement peut s'adapter. Au départ, on part sur trois, on voit ce qui se passe et on verra par la suite. Ce que je disais, pardon, pour le montant, c'est que le montant maximum correspond à 30% du financement total du projet. Et oui. En effet, il y a les aides de MSA, voilà, et CAF pour les projets jeunes qui, elles, se limitent à 1 500 euros. Et ça nous questionne sur la capacité des jeunes, avec des appels à projets qui ont des calendriers différents, à aller chercher 70% du financement ailleurs.
Oui, mais après, il faut se fixer une limite. Et donc, on a déjà positionné le jury au mois de mars, tout simplement parce qu'on va travailler en année scolaire. Hein. Il faut savoir que les jeunes sont quand même, c'est difficile de se mobiliser. C'est difficile pour eux de partir sur des projets. Il leur faut souvent plusieurs mois. Donc, déjà mars, on arrive en fin d'année scolaire pour un projet qui peut se dérouler l'année suivante ou sur l'été. Voilà, déjà un jury. C'était aussi important d'avoir un repère sur une fois dans l'année pour eux, parce que si c'est au fil de l'eau, eh ben, ça ne sera pas cohérent et il y a certains projets qui arriveront en fin de programme et on n'aura plus de la ligne budgétaire pour aller les aider, même s'ils ont un projet intéressant. Donc voilà, on est vraiment resté là-dessus. Après, votre question, c'était sur... Il y avait quoi ? Et les heures de bénévolat. Après, on s'investit. Les jeunes, c'est aussi une façon de les aider à construire leur projet aussi. Ce n'est pas du bénévolat, ce n'est pas des travaux forcés, on est bien d'accord. Là, on a le cas de jeunes qui ont un projet et qui ont travaillé à téléphoner le mercredi, enfin qui ont fait du bénévolat dans le sens où ils ont téléphoné aux personnes seules le mercredi, ils ont accompagné l'aide à la scolarité, ils ont aidé à la ludothèque. Enfin voilà, c'est quand même pas des choses, et c'est les aides aussi à construire leur projet. Si on est sur un projet solidaire, et bien, s'ils vont faire des heures de bénévolat sur les associations caritatives. Voilà, c'est quand même aussi une façon de construire leur projet et aussi une façon de s'investir à la vie de leur commune, en fait. Voilà. Ce qui questionne dans ce cas, c'est pourquoi articuler les deux. En effet, il y a des programmes, par exemple, d'aide à l'accès au permis de conduire qui ont comme condition de faire du bénévolat. Et donc ça, pourquoi ? Mais pourquoi pas ? Et je trouve ça vraiment intéressant pour l'avoir vu au Secours populaire. Mais c'est l'articulation entre cette condition d'heure de bénévolat et l'appel à projet, même si ça aide à construire un projet, pour travailler dans l'accompagnement de projets de jeunes, c'est déjà difficile d'en avoir. Et donc, ça me questionne de voir les conditions qu'on donne ici. Parce que les jeunes, ils sont prêts à faire ces... Enfin, ils ont aussi cette demande de participer, voilà, c'est aussi leur demande. Après, on a ce règlement. Peut-être qu'il évoluera. Voilà. Madame de Menton, il y a une volonté très forte... c'est d'accompagner des jeunes qui ont un projet. Ils auront une écoute très attentive auprès de nous. On va comprendre où ils veulent aller et on fera tout pour les accompagner. On est obligé d'après de rentrer dans un cadre, donc de poser les règlements. Ce règlement, il n'est pas figé. Donc si à un moment, il faudra mettre plus d'accompagnement, on le fera. Après, il faut aussi la notion du gagnant-gagnant, que chacun s'y retrouve. Mais honnêtement, notre volonté, c'est de les aider à la fois dans leur projet, mais aussi d'aller capter demain d'autres subventions dans d'autres organismes où ils seront aussi accompagnés par nos soins. Donc là, c'est la présentation du cadre. Et évidemment, plus il y aura de projets, mieux ce sera. Je préfère avoir des jeunes qui ont les projets que d'autres qui, des fois, malheureusement, font d'autres choses. Et nous, on fera tout pour les accompagner et pour faire aboutir ce qu'ils ont envie de faire. D'ailleurs, c'est en cours, puisque prochainement, il y aura une aide significative pour des jeunes qui se sont lancés dans un projet qui vous sera présenté. Mais il y a un moment, il faut bien qu'on rentre dans un cadre réglementaire. Aujourd'hui, c'est le premier jet. Si demain, il faut qu'on fasse retoucher certains curseurs, il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, je dis aux jeunes aujourd'hui, vous avez un projet, vous tapez à la porte de la mairie, vous serez accompagné, vous serez écouté. Est-ce que vous avez d'autres remarques ? Est-ce qu'on peut passer au vote ? Pas d'autres remarques ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 5 abstentions. C'est noté. La parole à Richard Benistan pour les décisions modificatives. Il a le micro, c'est parti. Oui, merci Dimitri. Donc effectivement, une série de décisions modificatives qui arrivent aussi sur ce Conseil, suite au budget voté 2021, voté en mars dernier. Alors on commence par la commune. Donc une décision modificative, on rappelle rapidement, c'est une évolution des sommes allouées par chapitre au sein du fonctionnement et au sein de l'investissement,
qui prennent en compte évidemment la réalité et le timing réel des opérations. Et donc, c'est tout à fait normal qu'on en ait très régulièrement. Donc, rapidement, pour la commune, une DM qui concerne effectivement un complément versé sur des investissements qui sont financés par la section 023 du fonctionnement, 53 000 euros en fait, et qui sont cofinancés en autofinancement par des dotations d'amortissement budgétées pour 48 000 euros en plus que ce qui était prévu sur déjà cette première partie. Le fonctionnement des sommes allouées concerne aussi des créances admises en non-valeur ou des créances éteintes. On a vu lors d'un précédent conseil municipal qu'on était en train de nettoyer les comptes de créances auprès des administrés. C'est vrai pour la commune, c'est vrai pour l'eau et l'assainissement. On essaye, si vous voulez, de remettre un peu les compteurs à zéro. Il y a pas mal de choses qui n'avaient pas été vues depuis plusieurs années. Et donc, ça nous permet dans cette DM aussi de traiter, comme vous le voyez, des créances admises en non-valeur pour 7 000 euros, des créances éteintes pour 19 000 euros. Et donc, de les passer en perte une fois pour toutes, puisqu'il n'y a plus aucun recours possible. Voilà, sur ces éléments, il y a des chiffres importants au niveau du fonctionnement des recettes. Vous avez des transferts de taxes foncières, habitation, FCTVA, compensation, exonération taxes foncières. En fait, vous voyez des sommes importantes, 309 000 euros, 249 000 en diminution. C'est en fait tout simplement la réarticulation des sommes similaires au budget, à quelque chose près, de l'application des nouvelles répartitions de taxes entre la Comcom, la commune, le département. Et donc maintenant qu'on a les chiffres définitifs, on savait que ce serait à peu près similaire à la dotation de l'État par rapport au fait de ne plus encaisser directement les taxes, notamment d'habitation. Et là, on sait maintenant les chiffres qui échoueront à Belay. Et donc, on les transcrit ici. Voilà pour cette première DM. Est-ce que vous souhaitez avoir des précisions sur certains éléments? On peut passer au vote, alors. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté à l'unanimité, merci. DM toujours pour la régie de l'eau. Donc sur des éléments moins élevés en montant, je dirais que là, ça n'appelle pas forcément beaucoup de commentaires. On a l'occasion de financer des compléments d'entretien et de réparation sur le réseau avec des compléments de travaux facturables, à peu près 20-22 000 euros, qui se répondent entre les différents chapitres. Et sur l'investissement, on a différé. Enfin, il y a eu l'occasion avec des travaux du département qui ont été fléchés sur 2021, vous savez, pour reprendre la voirie autour du grand rond-point qui est avenue Charles de Gaulle, le rond-point qui est en ovale devant Aldi. Et du coup, on en profitera, nous, pour venir intervenir sur le réseau d'eau. Évidemment, s'ils ouvrent la voirie pour refaire le bitume, ce sera le moment de reprendre le réseau d'eau et de le moderniser. Donc, il y a 38 000 euros qui sont affectés sur 2021 et on décale, du coup, le travaux sur le réseau rue des Zouaves, qui vient donc en diminution pour 25 000 euros. Je vous donne les grandes idées. Hein, je ne repasse pas montant par montant, mais les grandes idées sur la section investissement, c'est celle-ci. Voilà. Est-ce qu'il y a des compléments de réponse que vous souhaitez avoir? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Budget de l'assainissement. Donc là, on a des compléments de dépenses de fonctionnement à nouveau sur le réseau, l'entretien, sur des réparations, 10 000, 26 000, et on a l'ambition de faire une ultime et dernière campagne d'épandage sur l'exercice des effluents, et on a rajouté une ligne de 24 000 euros, considérant que ce serait possible avant le 31 décembre. Donc une augmentation de dépenses conséquente
que l'on finance effectivement par des augmentations de travaux, puisqu'en réalité, on a maintenant une vision assez claire des travaux complémentaires qui nous sont réclamés par les différents propriétaires, bah, comme la SEMCODA par exemple, mais ça peut être des particuliers, qui en fait demandent qu'on intervienne sur le réseau d'assainissement, et donc ce sont des prestations qui sont facturées par la régie de l'assainissement. Et donc on peut financer ces compléments de travaux. Voilà. Ensuite, sur l'investissement, on a effectivement une liste de compléments de travaux d'investissement qui seront financés par une subvention à l'équipement de l'agence de l'eau, Avenue Off. Il y a un séparatif qui va être fait sur les différentes canalisations, eaux usées, etc., pour 95 000 euros et qui, du coup, nous permettent d'envisager ces investissements complémentaires. Donc les sommes sont importantes, mais c'est vrai qu'on sait qu'il y a des investissements importants sur l'eau et l'assainissement chaque année à Belley depuis des années. Voilà. S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Oui, pardon, si Marie-Hélène. Si je peux juste ajouter, là on évoque les travaux qui auront lieu donc au rond-point vers la gare. Donc ça commence ce soir à 20h. Donc les gens qui doivent passer par ce quartier seront invités à prendre une déviation, puisque pour éviter les nuisances en journée, l'accès à Charles de Gaulle sera barré ce soir de 20h jusqu'à demain matin. Et théoriquement, l'entreprise aura terminé son travail de nuit ce soir, et la nuit prochaine, il n'y aura pas de travaux si tout se passe bien. Voilà, c'était une information, c'est des travaux qui ont juste commencé aujourd'hui. Merci. Donc, on passe au vote. Je ne sais plus si on l'a fait. Non. Donc, qui est contre cette DM, qui s'abstient, c'est donc adopté à l'unanimité. Merci. Pôle culture, décision modificative. Donc là encore, on est sur des éléments pour des montants assez faibles, qui prennent en compte le rythme des travaux maintenant et des différents entretiens. Il y a eu pas mal de choses de faites cette année, en 2021 encore, et en investissement et en entretien. On l'a vu sur des DM précédentes. Et là, on a une visibilité aussi assez claire maintenant sur les remboursements de billets. Donc vous voyez qu'on en profite pour entériner une diminution de 14 745 euros pour des remboursements de spectacles qui avaient été annulés. Et en face de ça, on met un certain nombre de diminutions de dépenses et ou d'augmentation de certaines autres dépenses. Et notamment, on termine aussi la mise en non-valeur de certains règlements de spectacle pour lesquels des gens n'avaient pas payé les billets. Et donc, on les passe en perte définitivement pour 2642 euros sur cette DM. Dans le même souci qu'évoqué précédemment. Voilà. S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui s'abstient, qui est contre? Donc adopté à l'unanimité. Ensuite, justement, concernant les admissions en non-valeur, spécifiquement. Donc pour la commune, on nous demande de nous positionner sur des démarches de recouvrement par la perception de Belley, qui n'ont pas donné lieu à effectivement des résultats positifs pour des créances relatives aux années 2008-2020. Et comme il n'est pas plus possible d'encaisser ces recettes, on demande la possibilité de les passer en perte pour 7312 euros. Donc les non-valeurs, ce sont des dettes qui sont à des montants tellement faibles que le coût des poursuites serait démesuré. Donc on ne poursuit en fait pas après quelques relances. Je parle bien de la trésorerie, c'est le travail de la trésorerie. Mandatements d'office qui sont refusés par le représentant de l'État, des poursuites sans effet, des combinaisons infructueuses d'actes successifs ou l'obtention d'un certificat d'irrécouvrabilité. Donc sur la commune, avant que vous procédiez au vote, ce qu'on peut dire en revanche, on a demandé au service et à la perception quand même de... Bon là on est en train cette année de nettoyer entre guillemets ces comptes de créances qui traînent depuis, comme vous voyez, 2008. L'idée c'est que ça ne se renouvelle plus, et qu'à l'avenir, surtout, on les traite au fur et à mesure. Donc les relances auprès des gens qui doivent de l'argent à la commune, qui doivent de l'argent au réseau assainissement eau, etc., ou à la culture, soient relancées rapidement.
même si c'est l'apanage de l'administration des finances publiques de le faire, on a, nous, un rôle d'aiguillonneur. Donc l'idée, c'était, si vous voulez, dans le process 2021, c'était déjà de dire on provisionnera les risques de non-paiement en fin d'année, ce qui n'a jamais été fait dans les comptes de Blaye. On fera un suivi semestriel avec l'administration fiscale de façon à faire le point sur chaque dossier pour qu'au moins une fois tous les 6 mois, l'administration fiscale puisse prendre le relais. On a amélioré les données qui sont fournies à l'administration fiscale. Je parle du nom des familles, du nom des organismes qui doivent de l'argent, des coordonnées qui n'étaient pas toujours suffisamment claires pour orchestrer une relance effective et pertinente. Donc ça, c'est toutes des choses qui ont été améliorées ce semestre, qui devraient donc permettre aux finances de la ville de ne plus supporter ce genre de remise à zéro. Voilà. Donc on peut passer au vote. Qui s'abstient sur cette DM, qui est contre. Merci, c'est donc adopté à l'unanimité. Budget culture, admission en non-valeur, pour les mêmes raisons, année 2008 à 2018. Donc, on est sur 2641,96 €. Même remarque que tout à l'heure. Qui s'abstient ? Oui, Philippe ? C'est juste pour dire que finalement les services sont assez efficaces parce que si on regarde bien 2641 en 10 ans, ça fait 264 par an, 7000 en 12 ans, je trouve que finalement les services sont assez efficaces pour le recouvrement. Alors, premier élément de réponse, on a déjà passé en non-valeur lors de conseils municipaux précédents cette année, mais ceci étant, sur cette étape-là de travail, on passe ces nouvelles sommes. Oui, je suis d'accord cependant avec vous. On n'est pas sur des montants qui sont déraisonnables. Mais on peut faire mieux. Si ce fameux processus est suivi désormais, il va l'être. Vous verrez qu'on va, on va diminuer encore ces montants, ce qui aussi participe d'une certaine égalité de traitement. On va voir un spectacle, on a recours au service de l'eau et de l'assainissement, etc. On doit payer ce qu'on doit. Alors bien sûr, les gens qui sont mis en irrécouvrabilité, les sociétés qui sont en procédure collective, évidemment, malheureusement, pour la ville, continueront de ne pas payer. À un moment donné, on arrive au bout du processus possible. Mais en attendant, il faut que les choses se fassent, et si possible, sans trop de délai. Mais je partage le point de vue, ce n'est pas des sommes qui sont anormalement élevées. Donc on passe au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Donc c'est adopté à l'unanimité. Là, maintenant, on passe sur la commune pour l'admission en non-valeur des créances éteintes. Donc, créances éteintes, là, on est sur des clôtures pour insuffisance d'actifs pour des sociétés qui ont été placées en procédure collective ou pour des familles de particuliers donc qui ont été, on va dire, traitées au niveau des commissions de surendettement et pour lesquelles il a été obtenu une décision d'effacement de dette. Donc là, on est quand même sur 5 ans, 2015-2020, sur une somme de 23 104 € qu'on vous propose de passer définitivement en perte pour créance éteinte. De toute façon, en l'occurrence, si nous devions être contre, il faudrait malgré tout, tôt ou tard, les passer en perte. Il n'y a plus aucune chance de recouvrer. Voilà. Donc je vais dire qui est contre, qui s'abstient. C'est donc effectivement adopté à l'unanimité. Toujours ce type de créance dite éteinte pour le pôle culture, 421 €. Qui est contre, qui s'abstient. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On change de sujet. Redevance spéciale collecte gros producteurs. Alors, notre collègue Jean-Yves Hédon est retenu en réunion donc au collège Zlatin, et il aurait été amené à commenter cette délibération, vraisemblablement de manière plus fouillée que moi. Ce qui est proposé au conseil municipal ce soir sur ce sujet, c'est de valider une convention passée avec la communauté de communes, Bugey Sud, pour le traitement des écoles, notamment de l'hôtel de ville, qui en fait génère des déchets dans des proportions bien supérieures à un habitant. Et donc là, il est proposé une convention spécifique qui prévoit de traiter des déchets dits non ménagers
mais dont en fait on s'aperçoit qu'ils sont aussi des déchets de type ordures ménagères, hein, et donc c'est le cas des cantines dans les écoles. La seule chose qui ne sera pas ramassée par le biais de cette convention, c'est tous les produits déchets dangereux, hein, toxiques, inflammables ou explosifs. Et seront aussi exclus tout ce qui est déchets inertes, hein, les encombrants, les cartons, la ferraille, etc. Et enfin, tout ce qui est matériaux recyclables, comme le verre, les emballages ménagers, les journaux, les magazines, les papiers. Donc tout le reste est englobé dans cette convention qu'on nous propose de signer, qui serait applicable au 1er janvier 2021. On est un petit peu en retard, mais il est encore temps. Qui prévoit donc les fréquences de passage, qui prévoit la tarification. Donc vous avez vu que, de manière très logique, on a une part forfaitaire qui est liée à la collecte, qui est lié ensuite au transfert, et ensuite une part proportionnelle qui sera effectivement fixée par rapport au tonnage traité. Donc vous avez vu qu'au total, entre les écoles et l'hôtel de ville, on est quand même sur quelque chose de l'ordre de 35 tonnes annuelles. Voilà. Le coût global, si ma mémoire est bonne, les collègues de la CCBS confirmeraient, on est autour de 8 500 euros par an au total. Hein. C'est l'ordre d'idée quand on cumule l'impact sur les comptes. Que vous dire d'autre ? En commission, notamment finance, peut-être, on a effectivement nous donné un avis favorable avec la nuance suivante. Il serait souhaitable que dans le cadre de ce contrat, on puisse obtenir de la communauté de communes l'étude de la mise en place de containers qui permettraient de recycler, notamment sur les cantines. Je sais que c'est compliqué ce que je vais dire pour ceux qui traitent cela, mais on a souhaité qu'il soit étudié dans les prochains trimestres la mise en œuvre de containers qui soient recyclés dans des centres de méthanerie. Alors, soit qui seraient orchestrés directement par les CCBS, il y a peut-être des projets dans ce sens à venir, soit en attendant dans des centres de traitement méthanerie, soit chez des gros producteurs agricoles, parce qu'il y a des agriculteurs qui, dans le bassin, ont mis en œuvre des centres de méthanerie ou méthanage, je ne sais pas comment il faut dire, je cherche le mot depuis tout à l'heure. Méthanisation. Merci. Je vais y arriver. Voilà, donc l'idée, le fait de payer, bon, ça, les sommes peuvent paraître significatives, mais ceci étant dit, on sait tous que le retraitement des déchets, entre autres, va coûter de plus en plus cher, puisqu'on est de plus en plus exigeant, et on vient de poser donc, en commission des finances cette exigence. Alors, on n'a pas donné de délai, mais on souhaiterait qu'il y ait une réponse, en tout cas, dans les prochains trimestres sur ce sujet. Voilà ce que je pouvais vous dire. Est-ce que vous avez des questions ? Il serait peut-être intéressant de travailler sur comment réduire encore les déchets. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et voilà. Ça serait bien aussi. Ouais. Vous avez vu les tonnages, même pour les écoles. Hein, on est Jean Ferrat est à 8 tonnes, les Charmilles à 4 tonnes. On est sur l'année. La plupart sont effectivement des déchets organiques, hein, résultant des préparations de repas et puis surtout des retours de repas non consommés. Donc je sais qu'il y a un travail qui est fait. Peut-être tu veux dire quelque chose, Sylvie, sur le sujet du travail et de la qualité des repas et de l'adaptation des repas et des quantités ? On souhaitait engager, il y a déjà plus de 2 ans, un travail sur le gaspillage, en fait. Sauf que la crise nous a rattrapés et qu'on n'a pas pu engager ce travail. Voilà, donc il y avait possible, on envisageait des ateliers, des choses comme ça pour sensibiliser les enfants au gaspillage. Voilà, c'est quelque chose qui est toujours en projet et qui devrait se mettre en place, peut-être pas à la rentrée, on ne sait pas encore où on va, hein, mais l'idée c'est qu'au courant d'année de mettre en place un travail là-dessus. Après, peser les déchets, tout ça, c'est quand même assez, assez complexe. Hein. On est sur des écoles avec des tout petits quand même. Donc c'est le personnel qui le ferait. Ça veut dire du temps aussi de personnel. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal de choses à voir de ce côté-là. Mais effectivement, on est sur ce projet. Après, moi, ce qui m'interroge, c'est les 20 tonnes du cimetière. Et là, je pense que, effectivement, je pense que c'est les pots, c'est la terre qui est avec et tout ça. Donc, alors, sur les cimetières, je ne sais pas si peut-être. Enfin, ce que je sais sur les cimetières, parce qu'on a effectivement interrogé, on a été un petit peu intrusif sur ce sujet l'autre jour.
Sur les 20 tonnes du cimetière, on a malheureusement encore aujourd'hui plusieurs problèmes. Nous rapportons des services techniques. On a un peu un mélange, effectivement, des matières plastiques qui entourent certaines plantations, des pots en terre, de la terre, des déchets végétaux. Tout ça est mélangé. Et ça fait 20 tonnes par an. Et notamment, nos collègues, je ne sais pas si Marie-Hélène a travaillé dessus déjà, mais sur les services, on nous remonte qu'on a notamment une difficulté avec les producteurs de plants qui, malheureusement, continuent de mettre, parce que c'est la norme pour tenir humides les terres dans les pots, des billes de polystyrène, par exemple, j'en passe et des meilleurs, et qui donc sont quasiment des terres qui deviennent polluées, qui sont donc pratiquement pas recyclables. Donc c'est vrai que pour l'instant, on met 20 tonnes dans une benne et ça part et ça vaut tant par an. Donc il va effectivement falloir travailler là-dessus aussi. Juste pour revenir sur les tonnages, je trouve que sur les écoles, c'est cohérent en fonction du nombre de repas. Sur les deux maternelles, on a à peu près le même tonnage, alors qu'on a deux écoles différentes. Charmy, un petit peu plus. Après, j'en ferai beaucoup plus. Mais en fait, par rapport au nombre de repas, on est quand même assez cohérent, en sachant que les maternelles, les quantités sont plus petites, en fait. Il y a moins de... Voilà. Le grammage est plus petit. Voilà. Oui, je reviens sur le cimetière parce que effectivement les déchets verts sont très importants. Je ne sais pas s'il serait possible d'utiliser une plateforme de compost ou je sais pas ou autre chose. Et moi, ce qui me surprend, c'est les 2,8 tonnes de l'hôtel de ville. Ça ne peut pas être que des cartouches d'encre, quand même. Non, là, le papier. Vous avez beaucoup de papier encore. Alors non, le papier n'est pas inclus dans la convention. Il n'est pas inclus dans la convention, non. Non. J'ai pas la réponse à cette question, monsieur Rodriguez. Il n'y a pas les papiers, il n'y a pas les cartons. Je vais la noter. Il n'y a pas le verre. Pas la réponse. Non. Peut-être que c'est une moyenne et que parfois il y a des gros tonnages et puis ensuite. Ok. On vous apportera une réponse. Si c'est du mobilier, par exemple. Non, parce que les encombrances ne sont pas susceptibles. Alors, s'il y en a un qui va respecter, ça sera bien la mairie de Belley et les agents en ville qui vont éviter de mettre des encombrants. Donc, j'ai pas la réponse. Non, mais on vous l'apportera. On vous fera une information par mail. Voilà, donc une convention, certes, de l'argent, certes, mais une volonté d'aller vers du qualitatif. Et on sait, quand on dit ça, que nos collègues au conseil communautaire, c'est pas simple non plus pour eux, parce que ça mettrait en œuvre, en tout cas pour Belley, des moyens techniques qui, pour l'instant, ne sont pas prévus. Et des moyens de traitement derrière qui ne sont pas prévus. Voilà, mais la demande est faite. Est-ce qu'on peut passer au vote ? Qui est contre la mise en place de ce contrat ? Qui s'abstient ? Voilà, donc je vous remercie. C'est validé à l'unanimité. Nous passons ensuite sur le réaménagement garantie d'emprunt. Alors effectivement... Pardon. Effectivement, on a une garantie qui avait été donnée par la ville de Belley à l'OGEC, qui gère donc l'établissement de la Martine, l'établissement scolaire. Qui, établissement scolaire, a souhaité rééchelonner sa dette sur 4 ans supplémentaires pour passer d'un taux de financement de 6 à 1,5%. Et qui nous a donc sollicité pour accepter de poursuivre la garantie de la ville et donc de la prolonger de 4 ans. Il reste 262 865 euros de dette au 31-12-2020. Nous avons donné en commission finance un avis favorable, considérant, si vous voulez, que d'abord ça prolonge tout simplement la garantie initialement donnée par la ville et qu'on est sur une organisation logique qui met en œuvre de gros montants d'entretien sur ce bâtiment, la Martine, notamment la partie ancienne, mais pas que, qui a fait de gros aménagements, ne serait-ce que le préau, par exemple, au centre de la cour. Ils ont mis des sommes importantes. Bon, voilà. Ils sollicitent que nous garantissions, encore une fois, c'est en cas de déconfiture de l'OGEC que la ville serait sollicitée. Donc, si vous voulez, sur le principe, il n'y a, pour ainsi dire, aucun risque que la ville soit, dans un premier temps, sur cette dette-là qui va durer 4 ans de plus, sollicitée. Ce qui n'a, à ma connaissance, d'ailleurs, jamais été le cas dans le passé. Voilà, donc ça permet à la ville, si vous voulez, j'en terminerai là avant vos questions, ça permet, si vous voulez, à la ville aujourd'hui d'avoir des bâtiments anciens qui sont entretenus,
qui sont bien sûr réaménagés en fonction des besoins, mais qui sont entretenus, d'abord qui sont occupés et qui sont entretenus. Voilà, donc on a donné un avis favorable à notre niveau commission des finances. Je vous en prie, si vous avez des questions. Non, c'est juste une remarque. Une année, il y a eu une défaillance. Donc la municipalité avait évidemment assuré ses devoirs. Mais ce que je veux dire, c'est que évidemment, si le taux baisse, forcément, le GEC aura des facilités pour rembourser. Alors, et à ce moment-là, la mairie ne sera plus sollicitée. Je crois que cette défaillance avait été remboursée par le GEC. Hein. C'est pour ça que je disais qu'a priori, il n'y a pas eu d'impact à ce jour. Non, mais la municipalité avait fait ce qu'elle avait à faire. Voilà ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, on va faire voter, mais sauf que Pierre Roux ne participera pas au vote en tant que président de l'OGEC. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Votez à l'unanimité. Merci. Nous passons maintenant sur un autre sujet, alors qui est un sujet important, puisqu'il s'inscrit au premier chef dans la... Vous savez qu'on a le souhait de redynamiser la ville, d'une part, et en le faisant, de diminuer les bâtiments vacants, ou les locaux vacants. Et donc, il nous apparaissait important de travailler sur la taxe sur les friches commerciales, qui est en fait une taxe qui est, comment dirais-je, codifiée par le Code général des impôts. Là, la ville de Belley s'inscrit totalement dans ce qui est codifié. Plusieurs villes en France l'ont mise en place. En fait, pour nous, si vous voulez, c'est pas forcément ce qu'on souhaite, c'est pas forcément un complément de revenu, c'est plutôt une incitation financière qui a pour but donc de redynamiser l'économie locale. Notre but, c'est que cette incitation financière, en fait, elle soit à zéro très rapidement, puisque les propriétaires seraient amenés à se redéfinir par rapport à des bâtiments qui, pour l'instant, sont laissés vacants. Aujourd'hui, cette taxe, elle se mettra en œuvre quand, après 2 ans de vacances des locaux, anciennement artisanaux industriels, étant vacants, répertoriés comme tels par l'administration fiscale, les propriétaires seront à ce moment-là taxés la troisième année. Ils auront quelques voies d'exemption possibles, parce qu'ils ont, par exemple, recyclé ce bâtiment ex-artisanal, ex-industriel, à vocation, par exemple, d'habitation, et le fisc n'avait pas été mis au courant. Donc, ce sera après à chaque contribuable de faire valoir ses cas d'exemption. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous aurez déjà 2 années sans taxation à la CFE, durant laquelle vous pourriez... Vous redéployez votre bâtiment pour faire autre chose, ou retrouver un locataire, ou retrouver une activité. Si la troisième année, vous n'avez toujours pas fait cette démarche et que vous n'avez pas avancé, vous allez voir arriver l'avis d'imposition. Si vous ne pouvez pas soulever un cas d'exemption, vous serez taxé. L'année de mise en application, on vous propose que ce soit donc l'année prochaine, en 2022, ce sera 10% de la valeur locative. L'année suivante, en 23, 15%. Et l'année suivante, et on sera en vitesse de croisière, 20%. Donc un bâtiment qui usuellement à Belley se trouve entre 10 et 15 000 euros de valeur locative, la grande majorité, hein, bien sûr il y a des, mais la grande moyenne elle se situe allez, entre 10, 15 000 et 30 000. Vous voyez ce que ça représente comme taxation dans un premier temps. Donc notre but, c'est que ça ne puisse pas donner lieu à une rentrée d'argent importante, mais il y a un certain nombre de locaux qui sont identifiés d'Abelais, qui sont fermés depuis des années, comme vous le savez. Et on espère fortement que ça fasse réagir les propriétaires ou les usufruitiers. Donc pour nous, si vous voulez en résumer, ce que je peux en dire, c'est que l'avantage, ça va participer à la lutte contre la rétention foncière en ville, et donc éviter des constructions en extérieur. Ça va encourager le tissu économique local, revitaliser la ville. Et le cœur de ville, hein, puisque beaucoup sont situés aussi en cœur de ville. Ça va avoir pour effet d'entraîner la baisse des loyers, puisque l'offre sera plus abondante qu'aujourd'hui. Et ça va pousser les propriétaires de locaux commerciaux à remettre ceux-ci en location, hein, ou alors à rénover leurs biens, ou alors à les redéfinir, à les redéployer pour une utilisation de local d'habitation. Ce qui serait assez vertueux,
pour éviter la dissémination de logements à l'extérieur de la ville ou dans des lotissements. Je pense qu'on a un certain nombre autour de la table à partager ce point de vue. Voilà, donc je prends un peu de temps pour expliquer, si vous voulez, le pourquoi et le comment, parce que c'est important pour nous de bien signifier que, certes, ça s'appelle taxe, ça s'appelle code général des impôts, mais la première chose, c'est que pour nous, c'est une station financière. Moins elle rapportera, mieux on se portera. Ça voudra dire qu'en ville, sur la ville de Belley, pardon, les choses, en fait, repartiront très rapidement sur le marché, seront très rapidement remises sur le marché, donc seront rénovées. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que nous avons pris la décision donc, de ne pas majorer ces taux. Ces taux auraient pu être majorés, 10, 15 et 20 auraient pu être majorés. Et on ne souhaite pas aller jusque-là. Le but, ce n'est pas de faire des ressources fiscales, évidemment. Vous l'avez, j'imagine, compris. Voilà. Si vous avez des questions, je peux y répondre. Je ne sais pas, Marie-Hélène, peut-être tu voulais ajouter des choses. Oui, excuse-moi. Tout simplement, c'est jamais agréable de décréter, de mettre en place des taxes. Hein, c'est vrai que ce sont les locaux qui seront éventuellement touchés par ça, ce sont des locaux qui sont inoccupés depuis très longtemps. On a quand même bien communiqué sur les aides possibles au niveau de la région et abondées par la ville. Il s'agit ici de locaux qui sont soit des pas de porte, soit des bureaux, en fait, où l'activité a pu s'arrêter et qui n'ont pas retrouvé d'occupants. Voilà. Nous avons donc de temps en temps des porteurs de projets qui n'arrivent pas à trouver des locaux. Donc cette incitation des propriétaires, on l'espère, permettra de pouvoir occuper du tertiaire, rendre la vie à certains pas de porte qui sont actuellement inoccupés et parfois dans lesquels il suffirait de pas grand-chose pour accueillir donc des commerces ou du tertiaire. Voilà, donc on espère que cette mesure permettra de redynamiser et aussi de faire en sorte que les gens prennent conscience qu'ils ont du patrimoine. On veut à Belley donc maintenir le patrimoine en état, donc on espère que cette mesure portera ses fruits, tout simplement. Oui, monsieur Spi. Alors oui, donc cette taxe est encore une taxe, donc on va faire une politique commerciale punitive, en fait. Donc, on va forcer les gens à se placer. Mais de toute manière, vous savez, le résultat, il va être très simple. Il n'y aura plus de commerce. Ils vont avoir des appartements à la place, comme rue Saint-Jean, par exemple. Il y avait l'ancien, je ne sais plus comment il s'appelait, mais en tout cas l'auto-école qui a été transformée en habitation. Le petit taxiphone qui avait un peu plus loin de même. Enfin, voilà. Donc, en fait, c'est aussi une politique. Mais après, il faut l'assumer, quoi. C'est une politique... des commerces, en fait, on les fait disparaître, on met des apparts à la place, ça marche aussi. Hein. Mais bon, du coup, on n'a pas vraiment une politique commerciale. Alors, vous avez vraisemblablement raison sur l'affirmation, je ne dis pas sur les faits derrière. Il est possible que certains bâtiments, je l'ai dit, soient effectivement redéployés sur de l'habitation. Alors, on considère aujourd'hui que c'est le moindre mal. C'est-à-dire qu'il vaut mieux ça que, par exemple, rue Saint-Jean, l'ancien bâtiment Percevaux, qui avait servi de commerce, boulangerie, pâtisserie pendant des décennies et qui restait depuis 30, 35 ans vide. Ça, c'est le premier point. Donc, au pire, c'était si ça doit devenir... C'était surtout un problème d'héritage. Enfin, c'était des endroits qui ne s'entendaient pas, c'est autre chose. Si vous voulez, c'est justement ce que j'ai expliqué. C'est-à-dire que cette incitation financière va faire vraisemblablement bouger les lignes, même au sein des familles. En tout cas, c'est l'ambition qu'on a. Et plutôt que de ne rien faire, on présume... on veut jouer, si vous voulez, sur l'intelligence collective, y compris au sein des familles, quand on est en indivision, qui effectivement peuvent être des situations complexes, mais qui peuvent aussi trouver une solution, en tout cas dans des délais peut-être moindres que trois décennies, en l'occurrence. Même si je ne porte pas du tout de jugement sur ce dossier-là en particulier, mais vous me parlez de la rue Saint-Jean. La deuxième chose que l'on peut dire, c'est que des bâtiments qui, si vous voulez, au bout de 2 ans, n'ont pas trouvé une nouvelle vie, et qui avait une vocation tertiaire, artisanale ou semi-industrielle en ville, ou pas en ville, ou en extérieur de ville, seront vraisemblablement d'abord redéployés dans les mêmes types d'activités. Donc le propriétaire sera plus actif, ou ses héritiers seront plus actifs. Je pense qu'il ne faut pas être trop pessimiste sur cette chose-là. L'idée là, vous savez que les valeurs locatives sont sous-évaluées, on le sait très bien, elles n'ont pas été réévaluées depuis des années, sinon avec un coefficient d'inflation ridicule. Donc, encore une fois, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de principe et de mécanique vertueuse qui se mettrait en route. Et on fera le point dans 3-4 ans.
mais j'entends votre remarque. Donc cette incitation à bouger, cette incitation à dire aux propriétaires, maintenant, vous avez, ça fait des années que vous avez un bâtiment, il ne se passe rien, on vous invite fortement à libérer ce tènement, à libérer cet espace au profit d'une nouvelle vie. Ça, c'est une action qu'on a menée gentiment sur le dernier mandat en envoyant des courriers à des propriétaires qui n'ont pas répondu, en envoyant des courriers à des propriétaires qui habitent désormais même à l'autre bout du monde. Et le bien à Belay, c'est leur dernier, c'est le dernier de leurs soucis. Donc à un moment, c'est de leur dire, il faut que ça bouge, il faut libérer, il faut de la vie et il faut du commerce. Et ça vient aussi s'intégrer, cette démarche aujourd'hui, dans un plan global de revitalisation de cœur de ville. On n'aurait fait que ça, on pourrait dire, bon, ben, vous savez faire que ça, ce qui est faux, puisque c'est le programme Petite Ville de Demain, où on s'est battu, qu'on a obtenu, qui est tombé, et avec le recrutement en septembre de notre référent programme Petite Ville de Demain qui va arriver, on pourra vous la présenter. C'est l'établissement public foncier qui, avec nous, rachète des friches. Les friches, ça fait 20 ans, 30 ans que je les vois, ces friches. Personne n'a bougé. Nous, on bouge. On bouge pour que demain, justement, créer de l'offre. Et je ne passe pas après tous les projets privés qui sont en cours et qu'on soutient et qu'on facilite. Donc c'est un des outils, un des leviers qui vient s'intégrer dans une démarche globale qui est une ligne claire, revitaliser la ville de Belay. Et on sait très bien où sont les dents creuses. On passe devant depuis des années, des décennies. Eh bien avec nous, ça sera terminé. Il faut que dans 6 ans, ben ça ait une nouvelle vie dans ces différents bâtiments. Voilà l'outil qui est présenté ce soir, qui est donc cette incitation, et on va dire aux propriétaires, lâchez vos biens et laissez surtout à des investisseurs locaux, des jeunes qui ont envie de bouger, qui ont envie d'investir, qui croient au budget, laissez-leur la place, parce qu'avec eux, on va pouvoir créer de la valeur, avec eux, on va pouvoir créer de la vie. Qui est contre ? Qui s'abstient? 1, 2, alors, abstention, Madame de Menton, Monsieur Salagnon, Karim Smi, Philippe Rodriguez et Monsieur Cheva, il hésite. Il est là. Et Monsieur Cheva. 1, 2, 5. 5 abstentions. 5 abstentions. Sujet suivant. Travaux de modernisation de la Grande Rue. Alors là, on est sur une série de demandes de subventions qu'on nous demande d'entériner, ou pas d'ailleurs. Et là, en l'occurrence, c'est l'opération de modernisation de la Grande Rue. Qui vient s'intégrer aussi dans le plan de revitalisation. Monsieur le maire, vous êtes d'une cohérence parfaite. Et vous voyez, la ligne est claire. Effectivement. Donc là, il y a à peu près 25 000 euros de travaux qui sont déjà fléchés et on souhaite vous demander l'autorisation de déposer une subvention auprès de l'État, une subvention DETR. Est-ce qu'éventuellement, Marilène, tu veux peut-être faire un commentaire sur ce qui est envisagé à ce stade ou est-ce que c'est trop tôt ? J'attendais juste que le micro s'allume. Merci, Richard. Donc tout simplement, comme présenté dans la délib, on parle d'apporter de la fraîcheur et puis de rénover l'éclairage public. Bon, au niveau de la fraîcheur, on a de la végétalisation essentiellement en bas de la Grande Rue. Là, on va apporter quelques plantes plus haut dans la Grande Rue. Ce sera pas la plantation du siècle, mais c'est déjà une évolution par rapport à toute cette minéralisation. Et également, le plus gros volet se porte sur l'éclairage, puisque le projet de supprimer les mâts qui font une pollution au niveau des emplacements, les mâts d'éclairage, et de travailler sur les éclairages en façade, à remplacer toutes les lampes qui sont en façade par des éclairages LED, par des éclairages qui seront donc le plus
joli possible, en accord avec évidemment les architectes des bâtiments de France qui interviennent sur cette section du centre-ville, et de façon à apporter un éclairage suffisamment important pour qu'on s'y sente en sécurité, dans une bonne ambiance, mais également régulé de façon à agir sur les économies d'énergie. Voilà. C'est ce qui constitue l'essentiel du projet, en complément du beaucoup plus gros chantier qui se passera plus bas sur la place Baudin, avec la réfection complète de la place. Voilà. Donc, on vous demande de nous donner l'autorisation de déposer cette demande de subvention. Est-ce qu'il y a... Ah oui, il y a des questions, pardon, monsieur Briez. Merci. C'est très bien qu'on végétalise la grande rue qui est très, très minérale. Je reviens sur l'éclairage public. Est-ce qu'il a été demandé aux riverains leur avis sur l'éclairage existant pour une possible évolution ? Et est-ce qu'il est envisagé d'éteindre la grande rue après un certain temps, ou pas seulement la grande rue d'ailleurs, parce que pour la sécurité, c'est une chose, mais l'éclairage ne fait pas tout non plus. La priorité des priorités, Philippe, aujourd'hui, avant de s'attaquer au sujet qui est le candélabre et la LED, c'est notre réseau électrique à mettre aux normes, parce qu'il n'était pas aux normes, il était pour certains dangereux. Donc c'est de remettre une armoire normée qui nous permet aussi de faire des variations de lumière, et viendra le temps justement de l'installation de ces candélabres, lesquels, les LED, la distance... éteindre la grande rue, ça me semble pas très pertinent. Par contre, atténuer la lumière grâce à ce système de LED, c'est bien l'objectif qu'on veut donner. Je suis quand même prudent dans les, notamment dans l'hypercentre, de tout éteindre. Il y a d'autres secteurs à Belay prioritaires, à mon avis, et certainement à faire baisser l'intensité, voire peut-être éteindre. Mais ça, il faut y aller, avec prudence et avec une concertation avec les gens du quartier. Voilà. Alors, pour répondre à la question de M. Rodriguez, effectivement, la délibération qui arrive juste après, qui est en fait liée au sujet, hein, c'est la réfection des armoires électriques. Donc, effectivement, les armoires à Belay, il y avait une quarantaine en réfection. Donc là, on nous demande, juste après, de nous positionner sur la demande de subvention au DETR à nouveau pour le remplacement de 24 de ces armoires. Et en fait, donc à la fin de l'année, on aura fini. C'est-à-dire qu'on aura accéléré d'une année par rapport à ce qu'on pensait faire il y a un an. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La deuxième nouvelle, donc, pour vous dire qu'on y attache beaucoup d'importance, on aura donc l'infrastructure électrique avec des armoires de commande qui seront aux normes, ça c'était la moindre des choses, vous me direz, mais qui seraient ensuite, l'idée qu'on en avait, c'est que ça allait pouvoir permettre de la programmation. Sauf qu'après analyse, on s'est aperçu que la programmation, ça n'allait pas être si simple, compte tenu des tranches que commandent ces armoires, telles qu'elles avaient été pensées il y a 30, 40, 50 ans. Elle commande parfois des tranches de rue, des morceaux de rue. Donc on n'arrive pas à avoir une homogénéité dans la décision, soit d'abaisser le niveau lumineux, soit voire de l'éteindre. C'est une discussion que vous aviez juste avant. Et donc là, les services ont fait un travail vraiment appréciable. Ils nous l'ont présenté il y a quelques jours, où ils sont allés chercher des systèmes qui vont en fait avoir de la détection sur chaque point lumineux, et on va pouvoir faire de la programmation sur chaque point lumineux, soit en baisse de variation d'intensité, soit carrément en coupure. Donc en réalité, on va s'affranchir des contraintes de l'armoire de programmation de l'armoire électrique. Donc elles seront aux normes, mais on pourra bypasser la logique des branchements dans chaque armoire. Donc ça, c'est très bien. Donc merci effectivement encore à Madame Lobet et Madame Violet et les services d'avoir pu sourcer ce genre de produits qui sont finalement, j'allais dire financièrement, assez abordables, hein, Marie-Hélène, de ce qu'on a vu ces jours-ci. Voilà. Donc ça fera l'objet de débats qui arriveront. Mais déjà, l'infrastructure électrique sera aux normes. Et ouais. Je crois que d'ailleurs, il est interdit d'éteindre complètement la nuit maintenant. Il y a une jurisprudence là-dessus. Ce qu'on nous a présenté dernièrement avec les services techniques au niveau de l'éclairage de nuit, en centre-ville, c'est interdit. Il y a des normes sur l'hypercentre. Enfin, il y a des normes de ce qu'on a effectivement pour... De ce qu'on a effectivement pu traiter en réfléchissant avec les services, c'est qu'en fait, il y a une mise en responsabilité de la commune qui prendrait la décision de, par exemple, éteindre.
et dont il serait éventuellement démontré devant un tribunal que c'est parce que c'était éteint que telle et telle personne a été blessée, voire plus. Donc ça, c'est une décision assez grave, ou en tout cas assez conséquente à prendre, mais on y reviendra. On y reviendra, je pense, et y compris en commission, hein, en commission technique, en commission urbanisme, en commission environnement. De toute façon, le but, ce sera effectivement de faire baisser l'intensité et la consommation électrique, que ce soit fait à dessein. Il y aura l'avenue off aussi prochainement à traiter. Voilà. Il y a 3000 points lumineux sur la ville de Belley. Donc il y a largement de quoi encore travailler et changer. Hein. Excusez-moi, est-ce qu'on fait les demandes de subventions, on les valide tout en même temps, ça ne vous ennuie pas? On les fait une par une? Non, je ne pense pas que vous soyez contre des demandes de subventions. Non? Si? Non, c'est bon, Philippe? D'accord. Ah non, tu voulais... Non? Bon. J'ai entendu. Eh bien, travaux de modernisation grande rue, remplacement des armoires électriques, très bien. Et donc, maintenant, c'est... Donc, on passe au vote. Qui est contre ces demandes de subventions? On fera tout à la fin. Parce que tu as oublié les... Ah oui, il y en a encore une derrière. Il y en a deux autres. Il y en a deux autres, effectivement, alors là, qui ne sont pas directement liés au même sujet. Donc, la troisième, c'est une demande de subvention concernant l'emplacement des sols dans l'école maternelle des Cordeliers, des sols qui sont en mauvais état, donc qui est des revêtements muraux. Donc là aussi, 9600 euros de demande de subvention auprès de l'État. Le quatrième sujet... alors, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on traite ces trois-là, parce qu'après, je laisserai la parole à Jean-Michel Berthet sur la quatrième demande de subvention. Bon, est-ce que sur ces trois premières demandes de subvention, il y a des abstentions? Il y a des votes contre? C'est adopté, merci. Donc là, on va passer sur une quatrième demande de subvention, mais qui est liée à la plaine sportive. Je vais laisser la parole à Jean-Michel, qui va vous expliquer. On va nous demander de nous positionner sur une demande de subvention pour l'accompagnement d'un consultant qui nous aide à travailler sur, depuis déjà plusieurs mois, sur la définition du besoin, la définition de la norme et la définition d'une préprogrammation éventuelle de la plaine sportive à venir. Merci Richard. Donc, comme vous le savez, on a un projet important hein, qui est donc le projet donc, de la plaine sportive. Un des projets donc phares de notre mandature, parce que rien n'était fait sur le sport depuis donc plusieurs mandatures, donc nous on avait pris ça donc au sérieux. Donc c'est un investissement majeur et pour ceci on a fait appel donc à un programmiste hein, qui a été retenu, qui était A de ces sports, donc qui pour un montant de 37 280 euros nous fait la programmation de ce plein sportif. Donc cette subvention va sur pareil, une demande de subvention à l'État pour un montant, pour 50%, pour un montant de 18 640 000 euros. Peut-être ce qu'on peut peut-être préciser, donc la mission qui a été réclamée à ce cabinet, elle est à plusieurs échelons successifs. Hein. Il y avait une concertation donc auprès des utilisateurs de ces équipements. Ça a eu lieu, même si c'est encore en cours, bien sûr. La démarche de développement durable qui était intégrée dans la demande, que ce soit sur les objectifs de rénovation, rechercher des bâtiments de type passif et rechercher l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement, avec aussi un objectif en filigrane qui était de voir comment, si c'était possible, mutualiser certains équipements de cette plaine sportive. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter dans l'équipe un commentaire. Sinon, on va donc passer au vote. Donc, sur cette opération... Pardon. Non, je voudrais répondre quand même à la petite pique de Jean-Michel, là, qu'il a passé... rien ne s'est passé pendant plusieurs mandats. Ben, le gymnase Burdet, quand même, c'est pas rien. Le dojo du gymnase Morin, c'est pas rien. Le toit de la Algonais, c'est pas rien. Donc, il s'est passé des petits trucs, quand même. C'est des petits trucs, comme tu dis, oui. Mais bon, le gymnase Burdet vient quand même déjà d'une mandature de Jean-Claude Travers, hein, je crois. Oui, bien sûr. Oui, oui. Non, mais je ne dis pas le contraire. Ouais. Donc, plusieurs mandats, mais ça implique le mandat de Jean-Claude Travers, oui, bien sûr. Ouais. Bon, si vous voulez bien. On va passer au vote. Merci en tout cas des questions ou des remarques. Qui s'abstient sur cette demande de subvention? Qui est contre? On est donc à l'unanimité d'accord pour la demande de subvention.
Demande de subvention toujours, c'est pour le chauffage du palais épiscopal. Vous êtes au courant, on a déjà discuté dans cette enceinte de la rénovation, du chauffage, là aussi avec des armoires de commande qui vont nous permettre de faire de la programmation, de faire de la variation d'intensité, et on en change aussi bien sûr les organes chauffants. 50 000 euros de travaux hors taxes à peu près, et là on va chercher 78% de subvention du global, 7 465 euros sur l'État, le conseil régional 24 000 euros, et le conseil départemental 7 465 euros aussi. 78%. Merci le conseil départemental qui était, dont un des représentants est assis à côté de moi. Je fais attention. Voilà. Donc c'est là aussi, les travaux sont en cours. Ça a été dit par monsieur le maire en introduction. Et on nous demande d'autoriser les demandes de subvention subséquentes. Pas de questions, pas de remarques. Qui s'abstient? Qui est contre? Voté à l'unanimité. Demande de subvention. Système de chauffage du gymnase Morin. Je vais peut-être là encore passer la parole à Jean-Michel. Voilà, donc toujours dans le cadre de rénovation donc des équipements sportifs. Donc l'objectif principal de ce projet est la mise en conformité de la chaufferie, du système de production d'eau chaude sanitaire et du remplacement des chaudières obsolètes par des chaudières à condensation. Donc c'est un montant donc de 112 154 euros. Et là, une fois de plus, donc, on a eu déjà un plan donc, de subvention de 40 000 euros donc, de la région. On a le département aussi qui nous octroie 14 000 euros. Donc là, c'est une demande pareille donc, de l'État à hauteur de 18 692 euros. Donc là, est-ce qu'il y a des questions? Non? Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Je vais profiter d'avoir le micro puisqu'on parle donc du gymnase, on va parler donc de la Holgonnais. Donc la semaine passée, on a eu donc l'ouverture des plis donc sous la Holgonnais. Donc je rassure tout le monde, on est rentré dans l'enveloppe, mais on avait trop d'incertitudes au sujet de la menuiserie qui est quand même un gros lot, donc à plus de 200 000 euros. Et on avait des incertitudes sur l'approvisionnement donc du bois. Alors, les travaux allaient attaquer en septembre, la menuiserie attaquée en octobre, et si on était à court d'approvisionnement, ce qui veut dire que le gymnase allait rester fermé donc, pendant 3 mois, en attendant d'être approvisionné donc, en bois. Donc, on a pris la sage décision d'attribuer donc, les lots au mois de septembre-octobre pour un début de travaux donc, au printemps 2022, ce qui permettra, comme a dit donc, monsieur le maire, que les associations sportives et que les écoles puissent aller donc dans ce gymnase donc jusqu'au printemps. Et au printemps, donc on va regarder pour fermer complètement ce gymnase et faire les travaux d'un seul trait, pour qu'au 1er septembre, ces travaux puissent être terminés pour justement les écoles. Donc je pense que c'est une sage décision que nous avons prise là-dessus. Merci. Merci Jean-Michel. Donc on va passer au vote pour la demande de subvention pour le gymnase Morin. Qui s'abstient? Qui est contre? Demande de subvention adoptée à l'unanimité. On vous remercie. On passe à la partie ressources humaines. Tableau des emplois à temps complet. Bon, écoutez, en substance, on peut indiquer que nous avons donc deux départ à la retraite, donc on crée pour la période de tuilage, hein, ce sont des postes qu'on refermera ensuite, mais pour la période de tuilage sur la fin de l'année, la personne donc, qui est à la direction générale, qui prend sa retraite, et une personne concernant donc, le service environnement, on demande à créer ces deux postes pour assurer le tuilage. Et ensuite, on entérine dans cette délibération le changement de grade d'une personne qui est devenue responsable technique, qui a reçu un avis favorable pour progresser dans la carrière. Voilà en substance ce que énonce cette délibération. Est-ce que vous avez besoin d'éléments complémentaires? Est-ce qu'on peut passer au vote? Donc, voilà. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Adopté à l'unanimité. On vous remercie. Pour les emplois à temps non complet.
Donc là, en fait, les demandes de création de postes résultent en fait d'une réorganisation et d'un recrutement. Donc en interne, en fait, on a réorganisé en affectant une personne sur une partie en activité direction générale et une partie sur les services techniques, une personne qui est redéployée. Et puis on a un recrutement complémentaire, ce sont des postes à temps partiel 28 heures. Voilà. Donc on nous demande d'entériner la commission des finances ayant donné un avis favorable à nouveau. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre ? C'est donc adopté à l'unanimité, merci. Délibération suivante, qui est celle d'octroyer aux agents qui ont été mis durant deux dimanches à disposition des bureaux de vote, donc de leur octroyer une rémunération complémentaire. Une somme qui, si vous voulez, entérine les heures supplémentaires pour ceux qui en bénéficient. Les cadres A à Belley n'ayant pas de système heures supplémentaires en tant que tel, c'est une indemnité forfaitaire qui leur est allouée d'une somme équivalente à ce qui se pratique pour le reste des catégories B et C. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions sur cet aspect ? Est-ce qu'on peut passer au vote ? Donc qui s'abstient sur cette indemnité forfaitaire ? Qui est contre ? C'est entériné à l'unanimité, je vous remercie. Contrat d'apprentissage. Alors on a deux délibérations, on va peut-être les traiter coup sur coup, puis on les votera si vous le voulez bien, même si elles concernent l'un pour le régime d'assainissement, l'autre pour le service communication, donc la commune. En fait, on a souhaité réactiver le rôle de la collectivité sur la formation des jeunes en alternance. Vous savez que l'alternance est plébiscitée en France et qu'on souhaite à différents échelons promouvoir l'alternance qui fonctionne très bien puisque au moins 8 jeunes sur 10 à l'issue trouvent du travail, trouvent une réalisation professionnelle par ce biais. Et donc on a souhaité que, avec les équipes, la direction générale des services, on puisse effectivement réactiver. Et donc il est proposé dans ces délibérations de prendre d'une part un jeune qui est déjà approché puisqu'il pourrait démarrer le 1er août, un BTS gestion, assainissement, traitement de l'eau, qui en plus étant sur un contrat privé, vous remarquerez que les aides financières sont très significatives. Concernant la rémunération, c'est un jeune qui ne coûtera pour ainsi dire rien à la collectivité la première année. Les frais de formation étant par ailleurs, eux, pris en charge à 100%. Donc ça, c'est pour la régie de l'assainissement. Et pour le service communication au niveau de la direction générale, c'est un renfort qui sera apporté à l'équipe, où là, on est sur un règlement un petit peu différent, puisque c'est un contrat public. Et donc les aides sont un petit peu moindres, mais encore une fois, la vocation de formation et mettre le pied à l'étrier est partagée par l'ensemble des équipes au sein de la commune. Et donc... je tiens à remercier le travail qu'a fait la directrice des ressources humaines, Madame Nardini, qui effectivement a travaillé il y a quelques mois en arrière pour bien comprendre l'articulation de ces aides et pouvoir le promouvoir en interne auprès des responsables de service, des directions de service, et à telle enseigne qu'il y aurait éventuellement une troisième piste qui était évoquée la semaine dernière sur les services techniques, puisque nous manquons encore de techniciens dans ce domaine. Et donc de souhaiter effectivement encore accentuer l'accueil d'un ou deux alternants de plus dans les 12 mois qui viennent. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces deux contrats d'alternance ? Moi, je me permets de rajouter. Donc, c'est vraiment une ligne forte au niveau de nos orientations RH. C'est de la responsabilité de la commune de pouvoir former ces jeunes, de pouvoir être partie prenante dans leur formation, de pouvoir les guider, leur transmettre un savoir-faire et surtout les insérer professionnellement. C'est un très bon système d'apprentissage. Comme l'a dit Richard, c'est 8 jeunes sur 10 qui ont derrière une employabilité extrêmement forte et la commune de Belley doit participer pleinement. Donc c'est une très bonne nouvelle. On se plaint beaucoup, ou certains, que les jeunes ne peuvent pas avoir de perspective sur le territoire. Ils peuvent en avoir, encore faut-il vraiment aller aussi sur ce terrain d'alternance,
parce qu'ils ont plein de choses à apporter. Et nous aussi, on a beaucoup à leur apporter pour les, voilà, leur faire commencer un début de carrière. Ben, je dirais assez, voilà, avec le renforcement de leurs compétences, de leur savoir-faire. Et c'est de bon augure pour la suite pour eux. Voilà. Philippe. Juste une remarque. Oui, très favorable à ce type de choses, d'autant plus qu'on le sait bien, en ce moment, certaines entreprises privées ont des difficultés et c'est pas facile pour eux d'accueillir des apprentis. Ça a déjà été fait, donc on peut être que favorable à ce que ce soit renouvelé. Merci de ton soutien, Philippe, là-dessus. Je sais que tu es sensibilisé à ça et il faut qu'on continue à aller dans... J'espère que les autres collectivités font pareil pour donner des opportunités à nos jeunes. Alors, je reviens d'autant plus qu'une mairie comme Belley a différents types d'emplois, ce qui n'est pas toujours le cas d'une municipalité, enfin d'une commune petite. Complètement. En tout cas, il y a un accueil très favorable au niveau du management des services, hein, sincèrement. Hein. C'est quelque chose sur lequel on travaille depuis quoi, 5-6 mois. Monsieur Monzetti, c'est ça à peu près, hein. C'est quand même récent les discussions, et donc on en est déjà à ces deux personnes approchées. Donc on passe au vote sur ces deux délibérations, si vous le voulez bien. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est donc adopté à l'unanimité. Et enfin, pour la partie qui me concerne, une délibération sur les aides économiques régionales en faveur du commerce. Donc là, on est sur une délibération, vous savez, pour le dispositif qui est destiné à aider les commerçants à s'installer ou à développer un point de vente accessible au public. Donc le montant de l'aide que la ville de Belley propose, c'est 10% des dépenses avec un maximum 50 000 euros, un minimum 10 000 euros. Donc là, il y a deux dossiers qui ont été mis en discussion. Donc afin de verser ces aides qui ont été validées en interne et qu'elles soient donc versables, il convient donc de fournir un vote en délibération au conseil municipal. Donc les deux dossiers sont la brasserie des terreaux sur des travaux pour 2000, enfin l'aide sera de 2380 euros. Et pour la boutique Territoire d'Homme, l'aide versée sera de 5000 euros. Donc 10% des travaux hors taxes envisagés. Les membres de la commission commerce réunie le 2 juin ont émis un avis favorable, ainsi que la commission finance. Est-ce qu'il y a des questions? On peut passer au... Pardon, je voulais juste compléter. Quand on parle du COPIL, ce n'est pas qu'en interne. Il y a aussi des membres extérieurs, comme par exemple la CCI, qui a son mot à dire là-dessus. Félicitations à ces commerces qui investissent. Hein, la brasserie des terreaux, il s'agit d'un store qui a été installé. Au début, ils avaient un projet un peu plus important, mais ça reste dans l'enveloppe. Donc d'un minimum d'investissement de 10 000 euros. Quant à la boutique Territoire d'Homme, c'est un investissement très important. C'est quelqu'un qui a repris un commerce qui s'était, enfin un pas de porte qui s'était vidé récemment et qui a également aidé à l'installation, par ailleurs, d'un autre commerçant dans le commerce qu'elle a laissé. Donc elle a investi et elle a encouragé un autre commerçant à venir s'installer. Voilà, donc c'est très bien que ces commerces aient tiré la sonnette pour justement bénéficier de notre accompagnement. Et j'ai dû peut-être le dire au conseil précédent, donc nous avons demandé aussi à la région si le dispositif qui s'arrête là le 31 décembre 2021 va être reconduit. Donc ils nous ont invités à les recontacter au mois de septembre parce qu'on ne sait pas encore, comment va vivre ce dispositif dans les prochains mois. Voilà. Très bien. Petit complément également de ma part, c'est donc un dispositif pareil, hein, c'est un outil supplémentaire de l'aide au commerce qu'on a évoqué tout à l'heure, on a évoqué un des outils, là c'est un autre outil, on s'était battu sur le précédent mandat pour l'obtenir, on se battra pour poursuivre avec la région puisque ça fait un montant global avec l'aide, que ce soit régionale ou de la commune, de 30% pour ces commerçants, donc c'est une bonne nouvelle. Je remercie Angélica, elle n'est pas là puisqu'elle était... Elle n'est pas là ce soir, mais c'était l'adjointe au commerce et accompagnée de Marie-Hélène, où ça s'était fait rapidement, mais il fallait impérativement entrer dans ce dispositif pour inciter, encourager, soutenir ces commerçants, et je les remercie aussi.
de parier sur leur commerce. Ils ont confiance en la ville, ils ont confiance en leur activité, et c'est une bonne nouvelle si on peut les accompagner au mieux dans le cadre de cet outil. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires ? On passe donc au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Donc, adopté à l'unanimité. On vous remercie. Non, ça va venir. La parole à Marie-Hélène Deschamps avec la première délibération sur le service ADS au sein de la communauté de communes. Marie-Hélène. Donc le service ADS, c'est un service de la communauté de communes qui travaille pour nous et qui nous aide sur les documents d'urbanisme. Donc il y a une convention de fonctionnement qui a été signée il y a quelques années. Enfin, en ce qui nous concerne, c'était en 2020. Pour travailler avec eux, et chaque année on doit revoir avec eux donc le nombre de dossiers qui ont été faits dans l'année pour les différentes communes adhérentes, sachant que les dépenses que eux engagent au niveau du fonctionnement doivent être réparties entre les différentes communes adhérentes. Il y a eu donc l'assemblée générale de ce service au mois de mars 2021. Les tarifs ont été revus. Et ce qu'on vous propose ce soir, c'est de valider ces tarifs et de valider également le règlement qui va être versé à la communauté de communes. Donc vous avez sous les yeux les tarifs des différents documents. Donc les certificats d'urbanisme informatif, c'est le CUA, le certificat d'urbanisme opérationnel, la déclaration préalable, le permis d'aménager, le permis de construire et le permis de démolir. Donc concernant la ville de Belley, on a pu... où est-ce que j'ai mis mon tableau ? Nous avons eu, en une petite parenthèse, nous avons eu en 2020 692 dossiers déposés à la mairie de Belley et traités par la communauté de communes, le service ADS. Donc nous avons dans le service une seule personne qui est dédiée au dossier de Belley. Donc pour information, au 22 mars 2022, nous avions sur Belley 210 dossiers déposés. Donc si on multiplie par 4 trimestres, on va arriver peut-être à 840 dossiers en fin d'année, alors que sur l'année 2020, il n'y en avait pas 700. Donc un travail considérable mené par les services aussi bien au niveau de Belley qui travaille avec la communauté de communes dans des délais tout à fait raisonnables et je dirais même très courts par rapport à ce qui est demandé. Donc il vous a été donné ce qui s'appelle l'avenant numéro 2. En fait, cet avenant précise les différents montants et également le total des actes qui ont été réalisés au profit des différentes communes. Et avec la règle de calcul qui est dans la convention de fonctionnement, donc on arrive pour Belley, donc sachant que, comme je disais, 229 000 euros de frais de fonctionnement pour 2021 prévisionnel. Donc la somme pour Belley à payer serait de 44 460 euros. Donc suivant la convention, un certain nombre... Merci. Parce que moi, je regarde le papier. Donc un certain nombre de versements ont déjà été effectués. Et là, on vous propose de payer au titre du premier trimestre 2022... Donc la part de 9 692 euros, donc d'après le tableau, c'est ce qui constitue donc cet avenant numéro 2. Donc le nombre de dossiers de l'année 2020 qui se monte pour la ville de Belley à 477,
si je reprends la délibération, la cotisation de la commune pour l'année 2021. Et puis au niveau de la répartition qui est proposée sur les tarifs pour l'année 2021. Donc la délibération a été prise par la communauté de communes sur ces tarifs, et après il faut que ça passe dans chaque conseil municipal. Est-ce que vous avez des questions? Bien, qui s'abstient? Ah ben peut-être Philippe. Juste, je voulais dire que je vais m'abstenir parce que ça m'embête toujours que ce soit traité par la communauté de communes, parce qu'on a un PLU assez complexe sur Belley. Il y a une antériorité, certains techniciens savent de quelle manière ils fonctionnent. Là, c'est juste de l'administratif, je trouve ça un peu dommage, donc je vais m'abstenir. Non, vas-y. Mais en fait, les techniciens de... Enfin, on dit la Comcom, mais en fait, c'est un service qui est à l'intérieur de la communauté de communes, mais qui est donc en ligne complètement directe avec la ville de Belley. Et les techniciens qui ont pu agir au niveau de l'urbanisme pendant les années précédentes ne sont pas forcément là. Et ceux qui sont là aujourd'hui sont tout à fait compétents pour appliquer notre PLU. D'ailleurs, qui demanderait certaines modifications aujourd'hui et qui nous pose par rapport donc à ce qui a été décidé il y a quelques années et qui n'est plus exactement en phase avec la vie de tous les jours, quelques difficultés par rapport aux pétitionnaires de temps en temps. Voilà. Philippe, j'aurais presque pu partager ta remarque à un temps donné, mais avec du recul. C'est pour ça que à plusieurs reprises, j'ai sollicité pour savoir si le service ADS... portait satisfaction, c'est réellement le cas et c'est aujourd'hui une petite équipe avec surtout de l'expertise très forte, un savoir-faire vraiment réel et le souci de l'époque c'est qu'on n'avait qu'une urbaniste à Belley, donc tout pesait sur son dos et il faut gérer les absences, il faut gérer plein de choses. Et l'avantage, c'est que là, de constituer en plus avec l'ensemble de l'intercommunalité, on a une équipe aujourd'hui plus forte et vraiment au service de la commune. Et je trouve, avec du recul, plutôt le service pertinent. On les a rencontrés dernièrement pour parler PLU et on sent de l'ingénierie. Et là, voilà, une mutualisation comme ça, ça a du sens, à mon avis. C'est quand même très difficile parce que là, on en est à... Il faut vraiment être vigilant et je sais que les personnes qui travaillent soit à Belley, soit à la communauté de communes, enfin, au service ADS, sont très très vigilantes. Là, on est à une moyenne d'actes de 18 actes par semaine. Donc, c'est... Ça rejoint notre volonté de faire une police aussi pluricommunale. Plus on touche de communes, plus on sera nombreux, et plus on sera nombreux, plus il y aura de la participation, et on aura une équipe police avec plus d'effectifs que ce qu'on peut avoir aujourd'hui, parce qu'évidemment, à 5 PM, c'est très très court. Voilà, c'est un peu l'exemple. Très bien, qui est contre? Qui s'abstient? Donc il y avait notre Philippe Rodriguez, pardon, j'y arrivais, et c'est tout bon. Et donc, mise en place des panneaux sur le bâtiment Percevaux. Alors, mise en place de panneaux sur le bâtiment Percevaux. Donc, comme vous le savez, la ville, par l'intermédiaire de l'EPF de l'Ain, a acheté cet immeuble. Et nous souhaitons pouvoir communiquer donc essentiellement aux habitants, puisque les investisseurs seront donc contactés par d'autres moyens que des panneaux en ville. Informer la population de cet acte d'achat et du fait que voilà, c'est un moyen de revitaliser. Donc, ça se fera par des panneaux d'information qui seront apposés sur le bâtiment. Et pour ce faire, donc, il faut, comme tout à chacun qui fait cette démarche, déposer un document d'urbanisme. Et pour cela, il faut autoriser donc, le maire à signer ce document. Donc évidemment, comme on en a parlé tout à l'heure, donc, il y aura un appel à manifestation d'intérêt qui va être lancé. Les panneaux sont en cours de conception et
Je précise aussi que, pour information, sur ce commerce, une fresque avait été peinte il y a quelques années pour combler ce vide. Il avait été bien précisé que lorsqu'on en aurait besoin, on pourrait en disposer. Et donc la personne qui a peint nous a même fait un petit courrier pour nous dire qu'elle était tout à fait d'accord pour qu'on puisse apposer nos panneaux une fois que l'accord de l'ABF et que la déclaration préalable sera faite. Donc on sera amené à vous présenter ces panneaux dans quelques temps. Donc on vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer les documents nécessaires à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Des votes contre? Des abstentions? Ben, je vous remercie pour cette unanimité. Je présente la délibération suivante qui a rapport au dispositif Petite Ville de demain. Donc on a déjà délibéré par rapport à ce dispositif et la direction départementale des territoires, la DDT, nous a demandé de prendre une délibération pour autoriser, comme il est indiqué sur la délibération, de signer certains documents. Donc c'est quelque chose de supplémentaire qui pour nous était déjà inscrit dans une des délibérations précédentes, mais nous avons rédigé cela pour être conforme à leur demande. Donc il a été proposé d'autoriser soit le maire ou moi à signer certains documents. Donc est-ce que vous avez des questions sur cette proposition ? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Oui. Alors, là, il s'agit d'apporter des modifications au niveau du règlement intérieur des foires et marchés et de créer une commission paritaire de marché. Alors je répète, on a un beau marché avec de nombreux exposants. Alors maintenant on a des animations durant tout l'été, ça porte un plus. Donc on a un grand marché qui dynamise la ville et je crois qu'il était important que la ville échange avec les commerçants non sédentaires comme ça pour apporter un plus. Et donc la ville a décidé de créer justement une commission paritaire de marché. Donc là il s'agit de modifier l'article 33 pour pouvoir l'installer. Et cette commission paritaire permettra un dialogue permanent avec les commerçants non sédentaires pour justement qu'ils puissent apporter leur avis, les propositions sur l'organisation, le fonctionnement, la modernisation des marchés, l'évolution des droits de place, les difficultés aussi pouvant apparaître dans l'application du règlement et sur les différends qui peuvent s'installer entre le placier et les commerçants. Cette commission paritaire, elle sera composée de 3 représentants, soit un par secteur d'activité, donc producteur, revendeur et produit manufacturé. Donc vous avez reçu en annexe l'élection. L'annexe, il comporte l'annexe qui permet au CNS, un commerçant non sédentaire, voilà, de savoir comment va se dérouler le vote. Comme tout le monde, on aime bien savoir quand ça commence et comment on procède. Voilà. Au niveau du règlement, vous avez fait aussi une petite chose qui aura changé, c'est remplacer les termes police municipale par placier et supprimer le paragraphe faisant référence au marché des jeudis qui n'existe plus. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur l'élection, sur le règlement intérieur. Vous l'avez reçu. Je ne sais pas si vous avez des choses, des questions à poser. Je vous invite à vous prononcer. Très bien, Nadine, sur ce sujet. Alors, c'est vrai qu'on avait fait le tour du marché en début de mandat. On est en contact régulièrement avec les commerçants non sédentaires, que ce soit Nadine, aussi très impliquée dans la commission commerce, Marie-Hélène. Et c'est vrai qu'on a des demandes, des fois ponctuelles, individuelles. L'idée, ça serait quand même... de rassembler un peu un collectif
pour aussi améliorer le marché, lui redonner encore plus de rayonnement. On l'anime, on lui donne aussi de l'accès piétonnier qu'on aimerait aussi renforcer plutôt sur le haut du marché. Mais voilà, on aimerait que ça se fasse en concertation avec ceux qui le font vivre. Et je pense que c'est une bonne nouvelle. Et on vous dira un peu le résultat des différents travaux qu'on aura avec les CNS. Qui est contre ? Oui, Philippe. Bon, je parle beaucoup, encore une fois, excusez-moi. oui, non seulement c'est un beau marché, mais c'est un des plus grands de France, le marché de Belley, parce que la plupart du temps, dans les grandes villes, ils sont scindés en plusieurs, alors qu'ici, il en... oui, c'est une très bonne idée de faire cette réunion, parce que les commerçants non sédentaires ont beaucoup de droits. Et on est parfois surpris, donc c'est bien de pouvoir négocier dans une structure officielle pour éviter justement les conflits d'usage. Il faut qu'on participe au concours des meilleurs marchés de France, ça serait, c'est le plus grand là. Une idée. C'est pas assez qualitatif. Bon, qui est contre ? Qui s'abstient ? Voté à l'unanimité. Merci Nadine. Et nous allons donc passer désormais à monsieur Jean-Michel Berthet pour la subvention 2021 attribuée aux associations sportives. Virginie ne participera pas au vote en tant que trésorière d'association, et également Marie-Hélène Deschamps. Et Dominique Cano. Et Dominique Cano. Il y en a des trésoriers. Hein. Très bien. Donc les trois personnes ne participeront pas au vote. Jean-Michel, à toi. Donc, comme toutes les années, c'est une délibération sur les subventions aux associations sportives, en sachant qu'on est toujours sur les critères qui ont été faits au mois de février 2013 par Philippe Rodriguez et puis son équipe. Donc, toutes les subventions qui ont été accordées. Donc, je peux simplement dire qu'il y a quelques associations qui n'ont pas demandé de subvention cette année, hein, comme l'Arc Club, le Boxing Club, le Moto Club, la Cible Blaisanne et le Club de Randonnée. Vous avez des associations qui n'ont pas déposé de dossier de subvention, comme Belley Sport, le Club Modélisme, le Furet 4x4, Gym Fort Détente ou la Capora. Et donc toutes les autres ont déposé un dossier qui a été examiné en commission sport et où tout le monde a émis bien sûr un avis favorable. Donc comme vous le savez, les associations ont été quand même bien impactées par le Covid. Sur la saison 2019-2020, la saison s'est terminée un peu en queue de boudin, il y a manqué deux mois. Sur la saison 2020-2021, elle a été impactée complètement. Donc, ce qui veut dire qu'on retravaillera en commission les critères des subventions, puisque ces critères n'auront pas lieu. Et on a décidé, parce que j'ai quand même pas mal de collègues de collectivités à côté qui m'ont demandé ce que nous faisions avec les subventions des associations. Donc nous, il a été décidé de maintenir bien sûr ces subventions à ces associations qui en ont amplement besoin. Donc voilà, si vous avez des remarques, sinon, oui Philippe. Oui, c'est gentil Jean-Michel de m'attribuer les critères, mais c'est Patrick Buisson qui avait beaucoup travaillé dessus. Oui, mais comme c'est toi qui es encore là de l'ancienne équipe, donc c'est pour ça que je te mets dedans dans la boucle. Merci, j'assume. Donc, est-ce qu'il y en a qui votent contre, qui s'abstiennent ? Merci beaucoup. Alors, Jean-Michel continue avec la convention de coordination de la police municipale et des forces de sécurité, donc la gendarmerie, avec qui nous entretenons une relation étroite, efficace. Et je pense qu'ils sont assez satisfaits de ce qu'on est en train de mener sur la PM à Belley. À toi, Jean-Michel. Donc, je vous rappelle que cette convention est obligatoire dès que le poste de police est composé au minimum de 3 agents, et ou armée, et où l'amplitude horaire peut s'étendre après 23 heures. Donc la convention précise l'objet, les lieux, le moment et les modalités des interventions qui sont portées à la connaissance des autorités de la gendarmerie nationale. Les conditions dans lesquelles l'information réciproque est donnée. Donc je veux simplement
vous dire deux, trois choses dans la convention pour vous éclairer. Donc, la présente convention précise la nature et les lieux des interventions des agents de la police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de l'effort de sécurité de l'État. Donc vous avez un petit peu partout où on peut intervenir et ce qu'on peut faire. Donc vous avez toute la nature des lieux des interventions, bien sûr, les modalités de coordination, donc le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la police municipale se réunissent périodiquement pour échanger toute information utile relative à l'ordre, à la sécurité et à la tranquillité publique. Vous avez dans l'article 11, le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la police municipale peuvent décider que des missions pourraient être effectuées en commun. Donc c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle avec la gendarmerie, ou dans nos soirées qu'on fait, ils sont souvent présents avec nous. Les forces de sécurité de l'État et de la police municipale échangent bien sûr les informations. On précise que les moyens par lesquels ils doivent pouvoir communiquer. Ensuite, la communication se fond bien sûr par le réseau radio LTE, téléphonique et réservé. Mise à disposition des agents de la police municipale et de leur équipement, de partage d'informations, de l'information quotidienne, de la communication opérationnelle, de la vidéoprotection, des missions menées en commun, de la prévention des violences urbaines, de la sécurité routière, de l'encadrement des manifestations, hors mission de maintien de l'ordre. Le maire précise qu'il souhaite renforcer l'action de la police municipale avec un renforcement de l'équipe. Donc c'est une convention qui est large et où on fait un très très bon travail avec la gendarmerie de Belley. Donc je crois que ça ne se vote pas, cette convention. C'est on le vote ? D'accord. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions ? Encore moins. Oui, c'est très important cette convention parce que les effectifs de gendarmerie changent tous les 3, 4 ans, il y a des gens, alors que la police municipale reste sur le terrain. Et donc souvent la police municipale fournit des informations très, très importantes aux gendarmes grâce à sa connaissance du terrain justement. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Donc on va voter au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Donc je vais toujours profiter que j'ai la parole parce que le maire avait dit en préambule comme quoi nous avions beaucoup d'incivilités donc en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui sont, je ne sais pas si c'est l'effet Covid, qui traîne un peu qui traîne un peu partout, dans les rues à des heures, 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin, qui font des incivilités, qui cassent du matériel, qui crient, qui empêchent vraiment nos habitants d'avoir une tranquillité après 1 heure du matin. Donc on a déjà pris un arrêté sous les Halles, parce que comme vous le savez, on a quand même pas mal d'incivilités là-bas. On a une commerçante qui est qui n'arrive pas à faire son travail correctement puisque les jeunes font du bruit, jouent au ballon, font du vélo, brûlent sa terrasse. Sa terrasse a été brûlée déjà une fois, ça nous a coûté 10 000 euros la collectivité. Ils ont recommencé il y a une semaine de vouloir remettre le feu dessus. Donc on a déjà pris un arrêté. Donc en ce moment, c'est vrai que nous avons été élus sur un programme de sécurité, entre autres. La sécurité, c'est un peu dans notre ADM. Donc là, je suis en train de travailler avec le maire et puis avec les services. Eh bien, pourquoi pas regarder de faire un arrêté qui, après une heure et demie du matin, tout rassemblement dans la ville sont interdits. Donc on est en train d'y travailler dessus avec notre police et le maire. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc on va renforcer considérablement notre effectif de police parce que les habitants ont besoin aussi un petit peu de calme après une certaine heure. On n'est pas là pour empêcher les jeunes de jouer. Mais quand, à partir de 2h du matin, vous êtes en centre-ville et que vous avez des bandes qui sont là à hurler sous les fenêtres des gens,
alors qu'à l'heure actuelle, on aimerait dormir un peu avec les fenêtres ouvertes. Donc, c'est inadmissible. Et donc, on ne laissera pas passer ça. Oui. Alors, je vais faire un petit peu le poil à gratter, mais du coup, les caméras de surveillance, elles servent à quoi ? Ah, mais les caméras, mais si vous n'avez pas d'arrêté, personne, on ne peut pas verbaliser des gens qui sont à 2h du matin dans les rues, si vous n'avez pas d'arrêté. Ils ont droit. On téléphone aux gendarmes. Moi, dans la nuit de vendredi à samedi, j'ai été appelé 3 fois par des habitants. Donc, on appelle la gendarmerie. La gendarmerie, ils y vont. Ils leur disent, écoutez, les jeunes, il y a des plaintes. Évitez de faire trop de bruit. Nous, les caméras, on n'entend pas le bruit qu'ils font, puisque les caméras, donc, il n'y a pas de son. Donc, ils disent, oui, monsieur, on le fait. Et puis, 5 minutes après, ça recommence. Donc, les caméras, elles servent pour certaines choses, mais il y a des endroits où il n'y a pas de caméras. Quand on aura un peu plus de caméras, oui, on pourra voir qui a fait des incivilités. Mais à l'heure actuelle, bon, on n'a encore pas assez de caméras. Donc un peu plus de gendarmes, un peu plus de caméras. Ah, la sécurité. Un peu moins de liberté, du coup, parce Non, à 2h du matin, justement, il faut la liberté que les habitants puissent dormir correctement à 2h du matin. Non, mais je veux dire, il y a d'autres solutions. Il y a peut-être des médiateurs, des choses comme ça. Ah oui, place, peut-être. Alors. Je pose la question. Oui. Ça fait partie intégrante, comme on a évoqué tout à l'heure sur le commerce, d'un plan global de prévention aussi. Donc on travaille, on a remis en place le CLSPD officiel, puisque la cellule de sécurité tournait, mais le CLSPD officiellement n'avait pas été remis en place. C'est en cours, avec un travail étroit avec Annie Delpont, mais bon nombre d'acteurs, hein, parce qu'on n'est pas que 3 dans cette réunion. Il y a les bailleurs, il y a la gendarmerie, il y a les associations, il y a beaucoup de monde pour travailler sur le principe de prévention, parce que ça, c'est essentiel. Des médiateurs, il y en a dans certains quartiers. Donc, on travaille sur le volet prévention et aussi sur l'aspect sécurité, d'où le plan d'extension des caméras. Caméra ou Karim, tu as un doute sur ce système, caméra de vidéoverbalisation. Je donne un exemple encore précis. Un jeune a voulu provoquer la gendarmerie dernièrement en faisant une grosse accélération devant eux et en partant dans tous les sens d'embellir, en faisant des lignes blanches et ainsi de suite. Pas d'inquiétude, la caméra de vidéoverbalisation l'a verbalisé. Et il a été sanctionné. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, la caméra qui a été utilisée, malheureusement aussi, pour constater un fait grave qui s'est déroulé dans la rue de la République, avec le commerçant que vous connaissez qui a eu un accident de trottinette, eh bien, la vidéoprotection nous a permis de voir les circonstances. Et il y a eu aussi d'autres faits ce soir-là qu'on a pu constater. Donc, la gendarmerie vient, fait des extractions de vidéos, mène son enquête et ça déroule. Là, on connaît les personnes qui... C'est 5 à 10 jeunes, c'est pas plus. C'est pas la jeunesse, c'est 5 à 10 personnes qui ont du mal à... Peut-être en perte de repères, peut-être manque de parents autour, manque de se responsabiliser un peu. On les connaît par cœur. Ça reste aussi des mineurs. Vous connaissez aussi dans ce pays les mineurs. Pas facile, hein, à un moment de les sanctionner. Entre les primo-délinquants et j'en passe et autres. Je te prends encore un exemple d'un primo-délinquant qu'on a pris sur le fait avec une vitesse excessive, avec de la drogue, de l'alcool. Pas de permis, pas de des pneus lisses. On continue comme ça. Donc nous, on est plutôt à remettre un peu du cadre. C'est pas de la sécurité à tout prix, c'est du cadre. Il faut remettre des règles, tout simplement. Vous allez discuter avec les commerçants du cœur de ville, ils en peuvent plus. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comment on agit? Nous, on agit. On va pas attendre encore 2 ans comme ça. Les gens n'arrivent pas à dormir. J'ai même appelé moi parce que j'ai de la chance. Je vis en cœur de ville. Donc à 4h du matin, j'appelle la gendarmerie. Donc il n'y a pas besoin de m'informer. Je suis bien au fait de ce qui se passe en cœur de ville. Et je sais qu'il y en a d'autres qui habitent en cœur de ville. On sait bien que c'est une petite bande qui commence à nous agacer. Il faudra qu'on vienne, évidemment, travailler avec le CLSPD, la prévention, avec les services sociaux, et j'en passe. Évidemment, gros travail là-dessus, mais à un moment aussi, il faut que ça s'arrête. Parce que ça pourrit la vie à des belaisants qui sont en hypersente et qui me disent aujourd'hui on va quitter certains secteurs parce qu'on n'en peut plus.
Donc on va remettre du cadre. Après c'est un choix. Voilà, eh bien, c'est notre choix et on l'assume. Alors, Sébastien Caron, on a voté la convention, oui c'est bon, Jean-Michel c'est parfait. Dénomination du passage des Ursules par Sébastien Caron, on te laisse la parole. Le micro va arriver, pas d'inquiétude. Il est là. On en a un, Richard. Sébastien. Oui, mais je crois que ça ne marche pas. Si. Vous m'entendez ? Oui. Très bien. Alors, oui, le projet de délibération pour la délibération pour la dénomination du passage des Ursules. Donc oui, nous avions évoqué lors du dernier conseil municipal cette délibération pour ce passage entre la rue Saint-Martin et le parking Gramont. Et donc nous avions évoqué le nom de passage des Ursules. Et donc, on avait évoqué tout ça en commission travaux et transports. Mais à la demande de Monsieur le maire, la question a été évoquée en commission de culture. Donc la commission travaux et transports avait émis un avis favorable pour cette dénomination. Et après consultation en commission culture, celle-ci a également émis un avis favorable donc, sur cette dénomination de passage des Ursules. C'est pourquoi donc, aujourd'hui nous remettons au conseil municipal ce projet de dénomination. Voilà. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Vous voulez compléter des questions ? Monsieur Salagnon ? Oui, j'imagine que mon intervention ne va surprendre personne. Mais après les chiffres, je vais vous proposer les lettres. Nous avons écouté patiemment l'énumération de chiffres de M. Bénistan, adjoint aux finances, tous conscients de l'importance de ceci dans la gestion de la ville. Je vais maintenant profiter de notre divergence sur un diminutif, Ursule, c'est un diminutif, qui pourrait venir se substituer à un nom historique. Pour revenir sur l'importance des noms dans notre ville, je vais d'abord vous raconter une histoire récente, qui interroge, comme des faits nocturnes vous interrogent sur la sécurité. Donc c'est un peu dans le même registre. Puis ensuite, je ferai le point sur les Ursulines à titre personnel, et enfin, je vous ferai quelques propositions. Donc un jour, il y a quelque temps, le responsable d'une entreprise locale me demande si j'avais bien reçu son mail. Je lui ai répondu que je ne recevais pas de mail, mais que les courriels m'arrivaient bien. Nous échangeons alors sur les anglicismes, envahissant, il en convient, mais me dit-il, comment faire autrement ? Quelques jours plus tard, il m'aborde avec conviction. Monsieur Salagnon, au sujet des mails, on ne peut vraiment plus rien faire. C'est devenu tout à fait normal d'utiliser ce mot aujourd'hui, puisqu'à Belley, il y a même maintenant le boulevard du mail. Pas mal. C'est vrai, ce que je vous dis est vrai. J'étais sidéré par cette confusion due à l'ignorance de l'histoire et du sens des mots. Mais que faire ? Faut-il abandonner toute exigence par facilité ? Ne rien dire ? Comme ça, il ne se passera rien, et s'il ne se passe rien, tout va bien, comme essayent de me le faire croire certaines personnes présentes autour de cette table. Par exemple, ne parlons plus de l'apothicairerie. J'en reviens au mail. Le mail, le mail avec un M majuscule, ici utilisé comme nom propre, vient de maillet, le boulot. Maillet, c'est un marteau à long manche utilisé pour un jeu au XVIIe siècle qui est l'ancêtre du golf et qui a pu ensuite donner son nom à ses allées ou promenades publiques en bordure des villes, comme précisément le boulevard du Mail. Voilà, sur ce point, par rapport au nom, au risque de jouer avec les noms.
J'en viens maintenant aux Ursulines. Je dois dire que j'ai apprécié la proposition de M. Lauerta lors du dernier Conseil de reporter le vote. Il y a en effet eu des arguments pour les deux dénominations. Le cadastre pour le diminutif Ursule ou l'histoire de Belay pour Sainte-Ursule ou les Ursulines. Je regrette évidemment que ce soit pour le cadastre que la commission culture ait majoritairement voté. Mais c'était attendu. C'était attendu. Il est toujours très difficile d'approfondir la réflexion qui permettrait de changer d'avis quand on est un groupe. Je ferme la parenthèse. Monsieur Caron, de la commission Travaux et Transports, a recherché dans le cadastre. Celui-ci est en effet plus souvent utilisé pour les travaux que les sources historiques. Il est possible, je n'affirme rien, que si M. Caron avait commencé sa recherche en consultant le Buget ou l'histoire de Belay ou le préinventaire, il aurait pu opter pour les Ursulines et vous l'auriez suivi. Autrefois, les sources cadastrales, comme les registres paroissiaux, étaient une mémoire écrite soumise aux variations de l'usage qui produisait beaucoup de diminutifs. On faisait plus court. Mais si on se rapproche du plan de la ville de 1754, le plus connu, c'est bien les Ursulines qui figurent entre la rue Saint-Martin et la route de Cordon. S'il est indispensable que Belay soit une ville du XXIe siècle, il est tout aussi indispensable qu'elle soit fière et cultive son passé. Même si celui-ci n'intéressera jamais tout le monde, nous en sommes tous les héritiers. Je dirais même que l'inscription récente de Belay sur la liste des petites villes remarquables l'imposera à n'importe quelle municipalité qui veut y prétendre. Ça ne coûte rien, mais ça ajoute en qualité culturelle. Alors pourquoi ne pas entretenir ces noms qui sont aujourd'hui sur les plaques patrimoniales du parcours de la Louve, venues en conclusion d'un travail commencé en 2004. Je vais donc vous faire des propositions, car de manière générale, après la démolition des bâtiments, l'appauvrissement culturel se poursuit par la perte des noms témoins de l'histoire. Pourquoi l'île aux Grammont, nom donné au quartier à partir de la rue Grammont, ne se nommerait-il pas plutôt îlot des Ursulines, qui inscrirait ce quartier dans sa longue histoire? Par ailleurs, dans le nouveau quartier du bas de la Grande Rue, pourquoi ne pas nommer l'espace créé Place de la Visitation? Cela rappellerait la communauté qui s'y installait en 1624 et dont il ne reste maintenant plus rien de bâti, sinon le passage voûté. Dans la même dynamique, pourquoi donc ne pas renommer cette vieille porte qui n'a jamais existé, Passage des Visitandines? Car c'était cela en réalité, c'était un passage. Et si on met le mot passage, le visiteur comprendra, alors que si l'on dit porte, il n'y a pas de porte. Donc, c'était un passage en réalité, au-dessus passaient les religieuses et en dessous passaient les Belaisans. Pourquoi ne pas rappeler également qu'à cet emplacement, il y avait la troisième porte de Belay du Moyen-Âge, qui s'appelait la Porte de l'Arc. Ou encore, nommée non loin de là, les vastes thermes publics gallo-romains découverts en 2007, dont il ne reste hélas aucune trace aujourd'hui. Le souvenir des bâtiments s'efface avec les démolitions. Alors conservons les noms historiques plutôt que des diminutifs ou parfois des noms passe-partout. Très bien. Merci, M. Salagnon. On va passer au vote par rapport à la dénomination du passage des Ursules. Qui est contre? On aura compris. Monsieur Salagnon. 1, 2, 3, 4, 5. C'est vrai. Qui dit mieux? 5. C'est 5, c'est bon? 5 contre.
Abstention, enfin c'est contre. Abstention 0 et c'est adopté pour le passage des Ursules. J'ai bien tout noté, monsieur Salagnon. Vous n'avez pas réussi à convaincre la commission culture. Mais vos propositions de nom pour les autres quartiers sont intéressantes. Oh, mais il faut se battre. Vous savez. Alors, rapport Annie Cluzel. Oui ? Oui, oui, Annie. Oui, monsieur Salagnon, le sujet a été évoqué en commission culture. Ça a duré assez longtemps aussi. Hein, le débat a été long. Là, on le refait. Voilà, après, il y a un moment donné, il faut quand même qu'on se pose. Vous aviez une position qui est historique, qui est tout à fait honorable. Hein, rappeler que les Ursulines étaient les religieuses qui habitaient dans ce couvent, c'est tout à fait juste. Il y a une autre approche qui est plus cadastrale, effectivement, qui est logistique, qu'on trouve. Le nom Clos des Ursules existe bien sur les plans cadastraux. Ça existe bien aussi dans un acte notarié, un acte de division qui date de 1829 et qui s'appelle le Clos des Ursules. Et il y a aussi, c'est toujours en vigueur, hein, ça s'appelle comme ça. Il y a un certain nombre de villes en France qui ont des rues des Ursules, Clos des Ursules, parking des Ursules, etc. C'est pas faux. Donc c'est une autre approche. Nous, on a choisi celle-ci. Elle est tout à fait défendable. Très bien. Annie, convention de partenariat, projets patrimoniaux et culturels entre la ville et la CCBS. Cette convention, elle existe chaque année. Elle est rédigée entre le pôle culture de la ville de Belley et le service culture et patrimoine de la communauté de communes Bugey Sud. Elle rappelle tous les projets qui sont menés en commun entre ces deux entités. Par exemple, pour cette année, il y a le projet Mélimum. Il y a aussi les entretiens de Belley, le projet de mapping vidéo, le projet de valorisation du patrimoine, l'étude de préfiguration d'un projet culturel de territoire. Donc ces projets sont co-organisés, co-financés, ou les deux, par la communauté de communes et le pôle culture de la ville de Belley. Donc c'est quelque chose qu'on souhaite continuer, parce qu'on a des projets possibles en commun. Il faut absolument que ça continue pour faire rayonner la culture sur le territoire. Voilà, donc il s'agit de valider cette convention de partenariat sur les projets patrimoniaux et culturels. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. On met au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Et nous passons sur le conservatoire. Voilà, le conservatoire à rayonnement communal. C'est la modification du règlement intérieur, comme chaque année. Chaque année, le règlement intérieur est modifié, puisqu'on modifie les dates d'inscription. Enfin, il y a un certain nombre de dates qui sont modifiées. Également, lorsque les tarifs sont modifiés, et là, les tarifs pour l'année qui vient, 2021-2022, ont été validés lors du dernier conseil municipal. Voilà, donc c'est la modification du règlement intérieur avec tout ce qui a été déjà annoncé. Voilà, c'est les modifications. Et chaque année, il y a un nouveau règlement intérieur qui doit être édité. Voilà, simplement... Est-ce que on va passer au vote ? Est-ce qu'il y a des contre ? Des abstentions ? Très bien, je vous remercie. Ensuite, la dernière délibération concerne la convention de partenariat et d'adhésion au service du Conservatoire de musique de la ville de Belley. Donc on est toujours dans la démarche faite par la ville de Belley au sujet du conservatoire entre la ville et les communes, les communes de Bugey Sud et les autres également qui ont des élèves ou qui vont avoir des élèves qui vont s'inscrire au conservatoire. Donc dans la continuité de notre démarche, nous avons rédigé une convention et c'est ce document qui devrait être signé entre la ville de Belley et la commune qui souhaite devenir partenaire. Voilà, donc c'est l'aboutissement de notre démarche. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Merci. C'est terminé.
fini. Non. Bien. Eh bien, écoutez, on va passer au règlement de formation de la ville. Pas eu de remarques sur le bien. Eh bien, on poursuit avec le règlement de formation de la ville. Avec quelques modifications. Bon, c'est du réglementaire pur et dur. Vous retrouverez justement les éléments de modification en rouge. Voilà, une plateforme, exemple, page 11. Une plateforme unique nationale d'inscription a été créée pour limiter l'inscription multiple d'un candidat à un même concours. Bon, je pense que vous avez dû le balayer. C'est très réglementaire. Page 13, voilà, on rajoute la formation diplômante ou certifiante du RNCP pour la formation éligible au CPF. Acquisition des droits pour le CPF aussi, des modifications réglementaires. Voilà, au lieu de 24 heures, 25 heures, au lieu de 48 heures, 50 heures par an. Voilà, c'est... qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà, c'est toute la mise à jour du CPF. Voilà, est-ce que vous aviez des remarques sur le règlement intérieur de la formation pour nos agents de la collectivité ? Philippe, c'est du classique, hein ? Bon, c'est une mise à jour. Oui, c'est très cadré et les choix sont très très limités. Hein, donc... Très bien. Mais il faut le voter. Eh bien écoutez, on passe au vote. Des remarques, non ? Sur le personne ? Donc c'est un avis, on passe au vote. Hein, qui est contre ? Personne. Qui s'abstient ? Personne. Donc adopté à l'unanimité. C'est parfait. On va passer aux questions diverses. Alors, Monsieur Salagnon, on va essayer de faire... on va vous laisser intervenir, mais un peu plus court, même si c'est passionnant. On va vous laisser parler des colonnes romaines. Oui, c'est en effet, c'est un sujet dont je ne me souviens pas avoir entendu parler au conseil municipal. Il s'agit là d'une information que je pense utile de partager avec son conseil municipal, justement, car son financement, ce que je vais dire tout de suite, serait probablement à répartir sur plusieurs budgets. Je l'ai abordé en commission culture, nous l'avons abordé, en proposant de revoir le premier projet qui consisterait à placer les quatre colonnes dites romaines dans l'espace étroit qui se trouve à l'arrière du palais épiscopal. Alors, voilà, ici vous avez l'accès à la première grille, image suivante. Normalement, la flèche est à droite. Il devrait y avoir... Non, mais l'image suivante. Ah, ben si. Oh, putain, quoi. Bon, voilà, donc, voilà. Voilà l'espace dans lequel il est projeté d'installer les colonnes. Image suivante. Voilà, vue de dessus. Donc, il y a une dalle. L'étude avait été faite de savoir si elle pourrait supporter, mais pas ce projet-là, je vais vous le dire après, c'est les CIP que je voudrais faire placer ici. Ensuite, voilà, une vue plongeante. Donc, on voit qu'il y a un bel espace. À gauche, le jardin. À droite, le palais. Fermé aux deux extrémités. Alors, je vais poursuivre. Pour avoir travaillé sur ce sujet il y a quelques années et en avoir transmis récemment à Madame Chuzel justement un résumé illustré, j'espère qu'elle l'a reçu d'ailleurs parce que je n'ai jamais eu de retour, je me souviens que la DRAC était venue voir le projet et qu'un coût avait été établi. Ce dossier devrait avoir été conservé au service culture. Il consistait, alors c'est sur ce même emplacement, il consistait à réunir les six funéraires gallo-romains entreposés actuellement à la fois à Lamartine et dans le parc du palais épiscopal. Donc ce sont les photos suivantes, s'il vous plaît.
Voilà, ici c'est dans le parc. Suivante. Voilà, ici c'est à Lamartine. Suivant. Voilà, ici vous voyez qu'en plus avec l'installation pour garer les vélos devant, c'est tout à fait intéressant. Le choc des civilisations. Et donc, pour installer à cet emplacement unique toute cette collection, vous voyez, dans cet espace derrière le palais. Ce serait une sorte de petit musée lapidaire en plein air avec des explications écrites qui pourraient à ce moment-là être placées. On pourrait l'ouvrir ponctuellement aux scolaires et pour les journées du patrimoine et à toute autre occasion culturelle. Nous suggérions alors de mettre une deuxième grille. À l'époque, il n'y en avait qu'une. Donc déjà, un progrès a été fait puisqu'il y a dans ce passage maintenant deux grilles de chaque côté. Donc c'est tout à fait sécurisé. Sur place, il y a quelques jours, en allant prendre ces photos que je vous montre, je croisais cinq jeunes gens au milieu des pierres romaines dans le parc de l'évêché. Je leur ai demandé s'ils savaient ce qu'étaient ces pierres. Leur réponse négative me semble normale, puisqu'aucune explication n'est donnée sur place. Je leur expliquais brièvement ces vestiges, et une des jeunes filles m'a dit son étonnement de voir tant de graffitis sur ce qu'il n'imaginait pas être des monuments aussi anciens. Eux étaient là parce que c'était calme et discret pour eux pour se retrouver. Quant aux colonnes, plutôt que de les stocker à l'arrière du palais épiscopal, voulez-vous mettre l'image suivante ? Voilà. Plutôt que de les stocker donc à l'arrière, pourquoi ne pas les dresser dans le parc, comme elles le furent si longtemps à l'entrée de la cour d'honneur ? Et là, on va voir les images suivantes. La photo. Voilà. Ici, on a des colonnes dressées. Ici, bien sûr, nous ne sommes pas à Belley, nous sommes en Anatolie. Mais bon, on peut rêver. Ou sur un projet que j'avais dessiné pour celle de Belley. L'image suivante, voilà. Il y a quelques années, donc j'avais proposé simplement de les dresser et de les placer comme ça. Car je ne doute pas, puis je sais qu'il y en a certains qui sont inquiets qu'elles ne tombent ou qu'on ne les force à tomber, mais je ne doute pas qu'au XXIe siècle, on sache bien comment fixer solidement les éléments d'une colonne antique, même à Belley et dans son parc. Donc la suivante, s'il vous plaît. Voilà, des propositions. Merci. Je n'ai évidemment aucun intérêt personnel à défendre cela, sinon mes convictions culturelles face à l'ignorance anxiogène et destructrice. Merci. Voilà, je voudrais revenir sur les fameuses colonnes, romanes ou romaines, on ne sait toujours pas, où, voilà, selon les textes, c'est encore pas précis. Alors, ces colonnes romaines ou romanes, elles étaient effectivement disposées dans le palais épiscopal jusqu'à une certaine époque. Elles ont été enlevées d'une façon un petit peu sauvage, on va dire, puisqu'elles ont été retrouvées sur un terrain municipal, sans aucune précaution de transport. Apparemment, elles ont été sous les herbes, Alors, qui les a fait enlever ? C'était quand même sous le mandat de M. Fonini. Alors, voilà, je voudrais poser la question. Pourquoi ces colonnes ont-elles été enlevées et pourquoi personne ne l'a su ? Elles ont été transportées. Je peux répondre, hein. Oui. Oui, c'est une question de sécurité. Elles ont été stockées parce qu'il y avait le projet, elles avaient été stockées, mais ce n'était pas pour très longtemps. Puis finalement, le projet ayant été abandonné, les herbes, ça n'abîme pas la pierre. Hein. Non, ça n'abîme pas la pierre, mais par contre, les moyens de transport n'étaient pas tout à fait adéquats à la valeur de ces pierres. Bon, donc elles ont été retrouvées là-bas. Tout le monde connaît l'histoire. Quelqu'un s'en est ému, a alerté la presse, qui a alerté la DRAC, qui a alerté le maire de Belley, etc., etc. Le préfet a mis en demeure
le maire Pierre Berthet de rapatrier ses colonnes, de les mettre à l'abri. Le préfet a choisi comme endroit l'arrière du palais épiscopal avec exigence de faire installer une deuxième grille absolument identique à la première. Donc tout ça, ça n'a pas pu être terminé avec Pierre Berthet. Maintenant, c'est nous qui devons continuer le travail. Tout est en place. Les colonnes vont être apportées à l'automne. On attend que la société, l'entreprise ait des disponibilités. Ça n'a pas été facile parce que la première entreprise, finalement, n'a pas donné suite parce qu'elle n'avait pas l'équipement nécessaire. Bon, il a fallu trouver quelqu'un d'autre qui le fasse. Le coût de ce transport dans ce sens-là, au retour, est de 15 000 euros. Il faut quand même le signaler. La grille qui a été faite coûte 3 500 euros et le reste, le transport, etc. Voilà. Ça fait donc un budget de 15 000 euros. Là, c'est qui nous incombe à nous. D'accord ? Alors que nous ne sommes pas à l'origine de ce transport sauvage qui a été fait. Voilà. Ensuite, pour revenir à votre projet de pierre, de musée lapidaire, comme vous l'appeliez, de transfert de toutes ces pierres. Voilà. Donc, vous aviez effectivement monté un dossier. Enfin, Madame Hérault, à l'époque, avait monté un dossier. Je vous ai posé la question pour savoir pourquoi il n'avait pas abouti. Vous m'aviez dit que c'était parce que c'était la fin de mandat. Mais j'ai commencé à regarder ce dossier. Je n'ai pas eu le temps de le finir parce que c'est assez important. Mais le montant de ce projet était de 60 000 euros. Alors franchement, vous n'avez pas pu arriver au bout. Alors aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'on puisse nous le faire, que ce soit dans notre orientation. En tout cas, l'emplacement des colonnes, eh bien, pour l'instant, il est derrière le palais épiscopal. Elles ne peuvent pas être mises debout parce que les socles ont été cassés. Et ça nécessiterait certainement une restauration extrêmement importante avec un budget tout aussi important. Donc voilà pourquoi les colonnes sont là. Elles vont être ramenées ici et on aura fait le travail. Bien. Je peux intervenir ? Petite réponse. Oui, alors moi, je ne suis pas un grand fan de ces colonnes. Je trouve qu'elles coûtent très cher. Effectivement, elles étaient dangereuses quand elles étaient érigées parce qu'elles étaient en mauvais état. Elles ont été transportées et intervenues. Bon, on sait très bien pourquoi le projet n'est pas arrivé au bout. Hein. C'est qu'il n'y avait plus d'argent, tout simplement. Donc les 60 000 euros, on n'a pas voulu les dépenser. Mais le projet était intéressant, par contre, parce qu'il incluait les colonnes dans un ensemble. Parce qu'en elles-mêmes, toutes seules... Et cet ensemble était intéressant parce qu'il avait pour but le développement du tourisme culturel, qui pouvait être lié aussi bien à la forêt de Rotonne avec le parcours du Poilu que d'autres. Bon, en plus, on est au palais épiscopal, donc rien que le bâtiment, il vaut la peine d'être là. Il y a la cathédrale qui est à côté, qui est en plus là maintenant, enfin en partie, d'être restaurée. Donc ça allait dans ce projet-là. Ce n'était pas seulement les colonnes, parce que quand on les voit, ces colonnes, effectivement, bon... Romaine, plutôt 17e siècle, sans doute, d'après les archéologues que j'ai pu rencontrer, et certains chapiteaux seraient un petit peu plus anciens, mais bon, il y a vraiment un doute. Donc effectivement, ça coûte très cher, et s'il n'y a pas un projet derrière, c'est vrai que c'est assez frustrant. Très bien, je pense qu'on a fait le tour au niveau des colonnes, et je partage, concernant Monsieur Salagnon, c'est vrai que les pierres qui sont sous le préau là dans le parc, c'est quand même dommage qu'elles soient taguées. Il faudra qu'on retravaille ça pour remettre certainement les choses en évidence, enfin revaloriser ce lieu. Alors, on va passer à la deuxième question, qui est la question de Karim Smihi sur le carré musulman. Oui, je vous remercie. Vous avez reçu une lettre de l'association de la mosquée de Belay. Cette lettre vous demandait de créer un espace dans le cimetière qu'on appelle un carré musulman. En fait, voilà. Donc, je voulais savoir un petit peu déjà si vous avez reçu la lettre et où ça en est. Est-ce qu'il y a un planning de prévu ? Est-ce qu'il y a une décision déjà de définie ? Voilà. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'un carré musulman, mais c'est juste une orientation des tombes. Voilà. Donc c'est pour éviter, c'est pour que ça soit cohérent dans un cimetière, qu'il n'y ait pas des tombes
dans un sens, c'est de, les musulmanes qui sont tournés vers la Mecque. Voilà. Donc c'est pas. Voilà. Merci de me dire où vous en êtes. Donc j'ai eu la demande de Monsieur Ambar, effectivement, qui souhaite la création d'un carré musulman à Belley. On avait notre juriste qui était sur le dossier, juriste qui est malheureusement qui a quitté Belley pour aller sur une opportunité qu'elle a saisie sur Lyon. Et on s'appuie aujourd'hui des services de l'État pour apporter une réponse précise sur cette demande. Voilà, sachant qu'aujourd'hui on a voilà, un fonctionnement, des contraintes techniques assez fortes sur le cimetière de Belley, donc il faut qu'on apporte une réponse claire, précise, et voilà, je pense qu'il faut qu'on puisse s'appuyer, et c'est ce que nous a proposé aussi Monsieur le sous-préfet, de nous accompagner dans cette démarche, parce que c'est une demande particulière. Et il faut qu'on apporte une réponse à M. Ambar. Donc il y aura une réponse qui lui sera apportée et une décision de prise. Et puis on en informera le conseil municipal, évidemment. Dans l'absolu, c'est un emplacement où on autorisera en fait, des tombes à avoir une autre orientation. Parce qu'il me semble qu'un cimetière n'est pas catholique. L'État à religion, je ne sais pas si ça peut dire. Non, il est. Ouais, c'est les tombes qui sont privées et donc c'est elles qui portent un symbole ou pas. Quoi. Donc, je ne pense pas que ce soit si compliqué que ça, un emplacement. C'est pas si simple. C'est pas si simple. On ne peut pas prendre le sujet à la légère. Puisque le cimetière est, voilà, des codes, a des règles extrêmement précises. Là, c'est une demande. Un carré confessionnal, hein, d'accord, pour une confession précise. Quid aussi des autres confessions? Comment on répond à tout ça? Quid de notre emplacement? On a retravaillé le règlement intérieur dernièrement parce qu'on a des demandes de personnes qui veulent anticiper et nous demander des places. Voilà, à l'avance, c'est comme ça, on ne peut pas leur accorder puisqu'on a quand même des contraintes extrêmement fortes. Là, il y a une demande de la communauté musulmane, eh bien, écoutez, et de l'association, et il va falloir qu'on apporte une réponse précise et on s'appuie des services de l'État. On pose le sujet au niveau de Belley, du fonctionnement, et puis on aura à apporter une réponse. Mais voilà, on ne peut pas prendre ce sujet, ce n'est pas si facile. Et puis vient aussi tous les rites autour de cette confession. Il y a aussi des rites bien spécifiques, particuliers. Voilà, ça se fait pas comme ça. Et surtout, voilà, la réglementation du cimetière, je vous invite à vraiment la découvrir parce qu'elle est extrêmement rigide, stricte et très contrôlée par les services de l'État. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à la fois notre juriste qui a travaillé le dossier. Et le sous-préfet qui nous a proposé une aide en la matière. Oui, j'ai dit pas très compliqué, mais je me suis peut-être un petit peu avancé. Je vous l'accorde. Très bien. Est-ce que on a fait le tour des questions? Je pense qu'on a pas d'autres points. C'est tout bon. On va pouvoir vous libérer. Moi, je vous souhaite un bel été, de vous reposer, une belle période estivale malgré. Quand même les gestes barrières et en espérant qu'en tout cas les variants viennent pas nous perturber, mais en tout cas voilà, reposez-vous bien et revenez en forme au mois de septembre puisque les sujets vont être d'importance. Mais en tout cas voilà, entre la période Covid, les élections et toute l'énergie qu'on a mis sur ce premier mandat, il est temps un peu de se retrouver en famille. En tout cas voilà, belle saison à vous. Allez à l'intégrale, allez aux animations de Belley, allez au mapping vidéo. Faites vivre les commerces, le marché, et on sera tous contents. Voilà, merci à vous. Et merci à Jérôme Salomon aussi qui assure la technique depuis le début, à distance, sur Facebook. Vous pouvez le remercier et le saluer d'ailleurs. Et Catherine également et Enzo. Merci à vous.